Allez, on commence le live dans 3 minutes. Et bonjour à ceux qui sont connectés. Et le thème, c'est l'immobilier. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Si les premiers qui restent ou qui sont de passage peuvent me dire si vous m'entendez bien, ça m'arrange. Donc bonjour Chloé, bonjour, bonjour, bonjour Myline. Donc ici, le thème, c'est l'immobilier et toutes les questions qui concernent l'immobilier. De près ou de loin, j'y réponds. Maintenant, il faut toujours un verre d'eau. Allez, on commence en 2 minutes. Annie, bonjour Annie. Bon, il y a des noms qui reviennent et que l'on reconnaît. Alors, on peut commencer. Allez, on commence à poser des questions. C'est Ozem. Ah, oui, on peut commencer à poser des questions. Tant pis pour le retardataire. Bonjour Eda. Est-ce que vous m'entendez bien? Sinon, je mets mes oreillettes. Alors, est-ce que vous m'entendez? Peut-on vendre sa résidence principale sans y avoir? On vous entend très bien. Génial, merci beaucoup. Alors, la première question, peut-on vendre sa résidence principale sans y avoir habité, genre directement après les travaux? Mais on peut tout imaginer, mais on peut se faire rattraper. En général, on dit qu'il faut y habiter au moins un an. Merci, Bruno Carlier. Donc ça, c'était la première question pour flouer le fisc et les impôts. Ils sont pas dupes, hein. En général, vraiment, hein. Il faut que ça devienne votre résidence principale et il peut y avoir des enquêtes de voisinage pour savoir si vous y êtes vraiment. En général, on conseille d'y être au moins une année. Voilà. De rien, Eda. Alors. Pour ceux qui ont des questions un peu plus précises, alors je me suis amusé à mettre ce que l'on appelle un subathon, je ne connaissais pas. C'est pour vous inciter à vous abonner, tout simplement. Alors, Eda, ah, c'est en campagne, donc c'est en campagne, donc je me méfie. Il vaut mieux. Alors, plus de j'aime attire plus de spectateurs, continue comme ça. En plus, j'ai des conseils de TikTok, j'adore. Alors n'hésitez pas, hein. En fait, et tout à l'heure je ferai une vidéo après ce live qui va concerner les baisses de prix, puisque ça y est, j'ai des propriétaires qui finissent par écouter et qui se disent qu'ils ont peut-être été un petit peu mal conseillés, j'ai pas envie de dire floués, mais c'est à peu près la même chose par des professionnels de l'immobilier. Laure Coco, bonjour. Alors, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui sont là, Frédéric, alors j'ai mis des invitations sur Facebook, mais enfin on verra. Mais c'est amusant parce que pour moi, Facebook, pour le moment, je fais des lives avec vous. Sur Facebook, je fais des lives. Il y a zéro personne, donc c'est fantastique. Alors, vous nous conseillez de vendre en particulier directement avec le notaire? Alors, ça y est, c'est parti. Alors, je vais mettre comme ça, comme ça. Alors, vous nous conseillez de vendre en particulier. Alors, j'imagine, ça c'est Eda qui pose une question. Est-ce que vous nous conseillez de vendre entre particuliers ou directement avec le notaire? Eda, chacun fait comme il le sent. Le fait de passer par un professionnel, ça sécurise la transaction. Directement avec le notaire, alors je sais qu'il y a des notaires, des études notariales qui le proposent. Moi, j'ai envie de te dire que chacun son métier. Il y a des études de notaire où ils ont des services dédiés pour la transaction. Et encore une fois, je dirais que si tu es prêt à payer un service, a priori, tu vas sécuriser ta vente et tu vendras plus cher par l'intermédiaire d'un professionnel, contrairement à ce que l'on croit, qu'entre particuliers. Voilà. Le fait de passer par un professionnel
certifié, validé, un vrai professionnel qui a des bonnes notes et dont le bouche à oreille ne dit que du bien, c'est un gage de sécurité pour ta vente. Voilà. Alors, soyez pas choqués si je vous tutoie, c'est beaucoup plus simple pour moi que de vous voyez parce que je me mélange les pinceaux au bout d'un moment. Directement, il y a des notaires qui le font. Je ne dirais pas de mal des notaires, je dis de mal de personne. Je dis tout simplement, faites-vous accompagner par un professionnel, c'est un gage de sécurité. Alors, j'aimerais céder le garage à ma fille pour qu'elle puisse le refaire et en faire. Alors. Ça, c'est Ozem qui pose une question. Alors, ne m'en veuillez pas, mais il faut que vos questions soient assez précises, sinon je vais faire de l'interprétation et je vais répondre à côté. Tonio Dirachon, bonjour. Salut Thomas, salut Philippe. Effectivement, pas facile d'expliquer aux vendeurs les nouveaux prix du marché. C'est pas facile, mais si l'ensemble de la profession se mettait d'accord et accordait ses violons pour expliquer que les prix du marché sont différents par rapport à 6 mois, par rapport à 1 an. Là, j'ai été visiter une maison dans le 16e arrondissement qui sera probablement à la vente. Je dis bien probablement, je ne suis pas le propriétaire. Et la propriétaire me raconte que certaines agences viennent et lui promettent monts et merveilles. Donc, on a encore des professionnels qui racontent n'importe quoi, juste histoire d'arracher un mandat. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les propriétaires ne sont plus dupes maintenant. Donc, il serait bien que les professionnels entendent ça et se mettent à donner des vrais conseils en expliquant le vrai prix du marché. Ça ne sert à rien. Il y a des ventes tous les jours aujourd'hui, même si le marché est tendu et difficile. Il suffit d'avoir un acquéreur. Donc, mettez vos biens au bon prix et vous verrez, ça se vendra. Donc, Thomas, on est bien d'accord. Mais c'est de notre faute. C'est notre faute, nous, les professionnels. Eda, oui, ça évite la sur- ou sous-estimation du bien aussi. Eda, je n'ai pas d'avis, je ne peux pas être d'accord avec toi, puisque ce n'est pas ma méthode de travail. Moi, ça fait 24 ans que je travaille dans l'immobilier, j'ai eu une vie avant. Et ma marque de fabrique, c'est l'honnêteté. Donc, à partir du moment où on explique clairement les tenants et les aboutissants à un propriétaire, ça, c'est un postillon qui vient de partir sur mon bras. Il n'y a pas de raison qu'ils ne comprennent pas. Donc, sous et surestimation, effectivement, si tu tombes sur des gens qui ne sont pas sérieux, tu te préserves. Je suis d'accord avec toi, finalement. Alors, Tonio Dirachon, petite question. J'ai deux apparts en loc et j'aimerais acheter mon bien. Les banques prendront en compte mes deux apparts et le prêt sera. Alors, ça, c'est une question intéressante. C'est est-ce que les revenus locatifs sont pris en compte dans ta capacité d'emprunt? Alors, on a eu cette question-là dans un des derniers lives, et j'ai appris, parce que je n'ai pas la science infuse, que les banques prenaient jusqu'à 70% de tes revenus locatifs. Voilà. Donc, alors, n'hésitez pas à me reprendre si je dis une bêtise, parce que ça peut m'arriver. Bon, grâce à vous, c'est de moins en moins. Et puis, 24 ans d'expérience, j'en dis un petit peu moins jour après jour. Donc, voilà. Tonio Dirachon, j'espère avoir répondu à ta question. Et tout ça, c'est simplement, simplement. C'est pas simplement, il n'y a rien de simple, c'est un raccourci que je fais qui n'est pas très intelligent de ma part. Ça, c'est Tonio Dirachon. Je te redonne le même conseil de te rapprocher d'un courtier immobilier. Voilà. Alors, Ozem, j'aimerais céder mon garage pour que ma fille fasse un appartement. Merci. Et j'aimerais du coup rediviser mon terrain. Oui. Alors, il n'y a pas de question là. Marie-Laure, bonjour de Gironde. Eh bien, bonjour de Paris, 16e. Aujourd'hui, pour être précis, je suis au métro Jasmin. Vous en foutez d'ailleurs. Alors, tac, tac, tac. Je suis d'accord, ça devient la guerre des mandats, mais pas au bon prix. Eh oui, évidemment. Ouais, c'est vraiment un truc qui est particulier. Alors, vous m'excuserez, mais j'ai compris pendant le live, il valait mieux boire un petit peu d'eau. Effectivement, c'est la guerre intestine des professionnels de l'immobilier, c'est n'importe quoi. Il y a encore beaucoup d'agences ou d'intermédiaires ou de courtiers immobiliers, agences immobilières qui n'ont toujours pas compris qu'il valait mieux partager quelque chose que de s'arc-bouter sur le dos des clients
à vouloir forcément toucher l'intégralité d'une commission. On est encore en retard là-dessus. On a des gros efforts à faire. Nous, professionnels. Alors, Eda, du coup, quels sont les éléments? Alors, quels sont les éléments à prendre en compte lors de la revente avec le nouveau diagnostic de performance énergétique? Alors, ça, c'est une question typiquement que j'aurais posée à mon copain Franck Sadoun, qui est spécialiste. Alors, il n'y a pas de nouveaux éléments. En fait, c'est une nouvelle forme de calcul. Donc, les diagnostics sont différents, ce ne sont pas les mêmes normes. Alors, ce qui concerne aujourd'hui, ce qui touche, pardon, on va y arriver, le plus les propriétaires, c'est d'être en G ou G++. Enfin bon, ça c'est une question spécifique pour diagnostiqueurs immobiliers. Du coup, quels sont les éléments? Il n'y a pas de nouveau compte, c'est juste le mode de calcul qui diffère. Voilà, ça c'est une réponse pour Eda. Tony, bonjour Tony. Alors, à la Banque Populaire, c'est actuellement 90% des revenus locatifs. Eh ben voilà, bah, Tony, une réponse pour Tonio Dirachon. Donc tu verras, bah, en plus il est sympa, Tony. Il donne l'adresse, non pas l'adresse, mais le nom de la banque. C'est la Banque Populaire Occitane. Eh ben bravo. Et vous voyez, c'est sympa, ça y est. Moi, rien que pour ça, je suis content de faire des lives. C'est la bienveillance entre vous. Donc, vous vous remerciez les uns les autres. Moi, je trouve ça génial. Et aujourd'hui, je vous avoue que ça fait du bien. C'est bon à savoir, Eda. Ben, tant mieux. Thomas, voire de baisser les honoraires. Alors, ça, oui. Alors, évidemment, bon, moi, vous le savez maintenant, moi, je suis mandataire immobilier. Ça me permet d'avoir des honoraires plus bas qu'une agence en dur, tout simplement parce que les mandataires n'ont pas les mêmes frais qu'une agence avec vitrine. Une agence avec vitrine doit payer un loyer, des salariés ou... Enfin, bon, il y a de moins en moins de salariés dans l'immobilier. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup plus de charges. Moi, mon agence virtuelle, ben, je vais chercher mon téléphone, mais je l'utilise pour vous parler. Ça me coûte 200 euros par mois. Donc, mon agence aujourd'hui me coûte 2400 euros par an. Et avec ça, j'ai un budget de publicité que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque j'avais ma propre agence. Parce que quand on confie le bien à quelqu'un chez IAD, par exemple, c'est le réseau dans lequel je travaille, eh bien, on touche l'intégralité des sites internet. Ce qui n'est pas le cas d'une agence en dur. Voilà. Donc évidemment, baisser les honoraires, ça me semble aujourd'hui... Il faut vivre avec son temps. L'immobilier 2.0, je pense qu'on y est depuis longtemps déjà. Eda, bon, chez moi, tout est à l'électrique, donc j'ai juste l'isolation plus fenêtre à refaire. Oui, alors ça, c'est une... Ça, alors j'ai fait une vidéo là-dessus avec justement Franck Sadoun. Et on a parlé de... Je t'invite à la regarder. Si ça doit être l'avant... Il y a deux ou trois vidéos. Regarde, tu vois, c'est pas inintéressant. Je te suis à 100% pour le partage, bref, patience. Ben oui, Thomas, on est sur la même longueur d'onde. Merci beaucoup pour toutes tes réponses et informations. Alors, pour ceux qui sont contents, j'ai un compte Google. Donc, vous tapez Philippe Jean-Louis sur Google et vous avez ma fiche. Donc, si vous trouvez ce que je fais est intéressant, ben, je vous invite à le dire. C'est gratuit pour tous les deux. Et moi, ça m'aide au niveau du référencement pour mes futurs clients. Dans le 16e arrondissement de Paris. Puisque c'est toujours intéressant de voir ce qui a été dit. Alors bon, après, je me méfie, hein, je me méfie pas. Je fais confiance à tous ceux qui sont là pour éventuellement, si vous trouvez ça intéressant, de dire sur Google, donner un avis sur ce que vous pensez des conseils que je vous donne. Alors, et puis je vous remercie par avance, et vous verrez, de toute façon, je remercie à chaque fois. Zizou, je suis intéressé pour savoir s'il est possible de payer quasi zéro sur l'impôt immobilier. Alors, c'est possible si tu fais du déficit. Donc, auquel cas, il faut que tu montes une société civile, une SCI, une société civile immobilière, et tu fais du déficit en fonction alors, de l'IR, de l'IS. Il y a des gens bien plus calés que moi. Alors, je vais m'amuser. Alors, je vais vous dire ce que je suis en train de faire. Regardez. Ça, c'est mon ordi. Et ce que vous voyez là, en haut, là, c'est Philippe Jean-Louis.
qui s'est créé un compte sur ChatGPT. Et sur ChatGPT, je vais poser ta question et on va voir la réponse. Alors c'est accès, hein, vous allez sur ChatGPT, c'est Aura qui fait ça, et vous tapez Philippe 2, le chiffre, Paris, et vous verrez. Donc je vais poser ta question telle que... Alors, est-il possible? Est-il possible de payer 0 euros sur l'impôt? Alors après, il faut que tu détermines ce que tu appelles l'impôt immobilier. Et point d'interrogation. On va voir ce que dit l'intelligence artificielle. Moi, je m'amuse bien avec. Hein. Parfois, bon, alors, je ne connais pas toutes les réponses, évidemment. Mais parfois, je pose des questions et je check avec le service juridique. Puis j'ai quand même pas mal de copains dans l'IMO. Eh bien, vous seriez assez surpris de voir le niveau de réponse de ChatGPT. Alors, bonjour. Alors, tiens, alors, voilà ta réponse. Alors, qui est qui? Je suis intéressé pour savoir. Alors, ça, c'est Zizou00. Alors, en tant que professionnel de l'immobilier, parce qu'en plus, il joue le rôle de Philippe Jean-Louis, je peux vous dire qu'il n'est pas possible de payer 0 euro sur l'impôt immobilier. Tout propriétaire immobilier doit s'acquitter d'une taxe foncière annuelle. Donc, tu vois déjà, il faut que tu détermines ce que tu appelles l'impôt immobilier, qui est calculé en fonction de la valeur locative cadastrale de son bien. Cependant, il est possible de bénéficier de certaines exonérations ou réductions d'impôts en fonction de sa situation personnelle, comme par exemple pour les propriétaires de biens immobiliers anciens qui ont effectué des travaux de rénovation énergétique. Très franchement, moi je suis bluffé par ce genre de réponse. Voilà, ça c'est ta réponse Zizou. Et vous pouvez faire la même chose. Hein. Si, pour ceux que ça intéresse, vous m'envoyez un WhatsApp. Pitié, WhatsApp. Je me permets de le redire. Si je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions, envoyez-moi un WhatsApp. Pourquoi? Parce que dans la technique de TikTok, je perds. Il y a des remarques intéressantes, pas intéressantes. Il y a des gens qui remercient, etc. Et vos questions, en fait, ne sont pas différenciées. Donc, j'ai soit mis un petit formulaire qui doit être accessible. Je ne sais pas où il est, mais il doit être sur votre écran pour laisser vos remarques, vos questions éventuelles. Et je m'engage à y répondre. Voilà. Parce que sur. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé une question via TikTok. J'étais connecté sur autre chose. J'ai commencé à répondre. Il fallait que je m'en aille. Je lui ai gentiment proposé de m'appeler. Et ben, il m'a jamais appelé. Donc, je ne peux pas aussi non plus vous forcer. Et ce n'est pas un numéro surtaxé. Hein, ce n'est pas un 09. C'est mon numéro privé, professionnel. C'est le même depuis très longtemps maintenant. Alors, merci beaucoup. Merci, Yadé. Ça, c'est Thomas. Petit clin d'œil. Zizou, j'ai répondu à ta question. Je vais aller voir, j'ai droit à la prime Rénov, etc. Bah, écoute, évidemment. Tu fais des Pinel. Alors, non, je ne fais pas des Pinel. On a un partenaire chez IAD qui vend du neuf. Et dans le neuf, on peut trouver effectivement des dispositifs Pinel à vous proposer. Donc, ça, c'est Nonor qui pose la question. Merci à ceux qui me suivent. Alors, Dr House, pourquoi IAD? Pourquoi pas? Alors pourquoi moi j'ai choisi IAD? Je ne vais pas faire le mariole. Pourquoi IAD? Tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai fermé mon agence pour des raisons de santé. On m'a demandé de plus subir de stress. Et quand on est propriétaire de sa propre agence et qu'on a des salariés, eh bien c'est un vrai stress puisqu'il faut être là à l'heure, il faut etc. etc., etc. Donc j'ai cherché un réseau de mandataires. Chose à laquelle je ne croyais absolument pas il y a 10 ans. Hein. Je trouvais ça merdique à souhait, tout simplement parce que je ne connaissais pas. Donc, comme tous les imbéciles, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai regardé tous les réseaux, j'ai comparé, et celui qui me semblait être le plus proche de mes valeurs. Bon, après, tout ça, c'est des grands discours qui n'engagent que soi-même. Mais ça me semblait bien, et puis ça me permettait de remonter une équipe, de recruter, entre guillemets, des personnes avec qui j'avais. En revanche, des valeurs communes et avec qui j'avais envie de travailler, sans être responsable du photocopieur, du ceci, etc. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi IAD parce que c'est celui qui, en plus, avait à mes yeux le plus gros développement. Voilà. Donc, la capacité de publicité, etc. Tout ça m'intéressait. Voilà. Ça, c'est Dr House. C'est ta réponse. ChatGPT, je ne sais pas comment y accéder. Alors, Edda, c'est très simple. Thomas, c'est moi qui te remercie et tu es à Niort.
Eda, tu m'envoies un WhatsApp au 06 73 69 28 21 et je t'envoie le lien pour. Alors, est-ce que je peux. Parce que si je vous le donne. Attendez, je vais essayer de quelque chose. Je suis pas sûr. Ah, alors écoute, Eda, je vais essayer de te l'écrire. Tiens. Je vais essayer de te l'écrire. Toc. Attendez. Je vais essayer de répondre à Eda. Et tu vas voir que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Interagir. Alors là, je viens de faire une boulette. C'est normal, c'est ma spécialité. Hop. Alors, interagir, c'est ici. Toc. Alors, je vais essayer de te répondre. Alors, on va essayer de te répondre. Alors, ça, c'est Eda. Ici, répondre. Voilà. Je te réponds et je t'envoie le lien, chère Eda, et tu vas voir, c'est gratuit. Hein. Encore une fois, je ne vous fais pas des trucs foireux pour piquer 10 euros, 5 euros, ou plus ou moins. C'est pas mon dada. Donc, je suis en train de t'écrire, et puis j'invite tous ceux qui nous regardent à éventuellement aller voir, vous verrez. Moi, je suis assez bluffé. Hein. Paris slash Philippe trait d'union Jean trait d'union, comme si j'avais besoin de voir. Voilà. Hop. Et ça, je vais voir si je peux l'épingler. Épingler ce commentaire. Voilà. Donc normalement, c'est épinglé. Voilà. Et ben voilà, il y a les premières questions qui arrivent par WhatsApp. Et vous avez bien raison, parce que je vais répondre aussi. Alors, je répondrai après le live. Donc, ici, épinglé. Bon, j'arrive jamais à épingler les trucs. Donc, Eda, je t'ai répondu à ta question. Hop. Comme ça, tu pourras accéder à l'intelligence artificielle, et franchement, moi, je suis bluffé. Alors, Rémi Nieto, quand on construit soi-même sa première maison en résidence principale, à partir de combien de temps on peut revendre 0% d'impôt? Excellente question, Rémi, à laquelle je n'ai pas ta réponse, tout simplement parce que ce n'est pas dans mon cursus de construction. Moi, j'ai fait ma carrière et je travaille encore, je fais comme si j'étais à la retraite. Je travaille à Paris, dans le 16e arrondissement, et on n'a, pour ainsi dire, jamais quelqu'un qui va construire sa maison. Mais Rémi, je t'invite à aller retrouver mon intelligence artificielle, là. Et, en fait, il faut la paramétrer pour qu'elle réponde. Et je vous ai mâché le travail. Regarde la réponse que j'ai écrite à Eda. Et si tu veux que je t'envoie le lien, envoie-moi un WhatsApp et tu auras la réponse via mon intelligence, non pas la mienne, mais l'intelligence artificielle que j'ai mise en place grâce à ce système-là, Aura, qui est pas mal, qui est vraiment très très bien. Rémi Nieto, il faut habiter dedans au moins 1 an. Ben oui, si vous voulez zéro impôt, il faut toujours que ce soit votre résidence principale. Bio, il y a des villes où le marché de l'immobilier est plus intéressant ou d'autres que d'autres villes, c'est vrai ou pas? Alors, si tu parles du marché immobilier, c'est à quel point de vue? Au point de vue locatif, au point de vue qualité de vie? Si tu peux juste préciser ta question, j'y réponds avec plaisir. Alors, Dal Lille, allez, on a le premier trait d'humour. Nouvelle coupe de cheveux. Bah, il faut penser que tu es rarement là, parce que c'est pas une nouvelle coupe. Et puis on va être gentil, on va le laisser là. Parce que si ça l'amuse, c'est bien. Alors, c'est ton. Alors, Eda, c'est mon cas, je dois domicilier là-bas et habiter au moins un an. Et oui, évidemment. Zidane baisse des ventes.
Yadé, ils sont bien. Il y a des gens bien partout, Eda. Il y en a bien chez, alors chez Safety, chez IAD évidemment, propriété privée. Il y a des gens bien partout, mais il y a des mauvais aussi partout. Donc faites bien attention à la personne que vous allez choisir pour défendre vos intérêts. Baisse des ventes, oui. Les derniers chiffres que j'ai eus de la part de notaires, à Paris, encore une fois, les notaires enregistrent des baisses de ventes de 40%. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que 40% de baisse sur le marché parisien. Marché parisien qui, a priori, est toujours privilégié par rapport à d'autres marchés, puisque c'est la capitale, et la capitale est souvent moins touchée que les autres villes. Alors, pardon. Alors, vous intéressez par investir dans l'immobilier à Abidjan, je pourrais vous être d'une grande aide. Alors, Zizou, ben voilà. À titre perso, non, mais s'il y a des personnes. Bon, allez, lui, il m'a fatigué. Alors, lui, hop, on va le dégager. Hop, on fait ça comme ça. Bloqué. Et voilà. Et puis, on va même pas lui faire de pub. On le dégage. Voilà, on est bien entre nous. Baisse des ventes IMO. Alors Zidane, oui. Et derrière, il me semble beaucoup qu'il demande un compte. Mais je pense qu'il y a des valeurs dans beaucoup de régions mandataires. Dr House, on est d'accord. Des valeurs, il y en a partout. Et je pense que. En fait, mes réponses ne vont pas assez vite par rapport au flot de questions que je reçois. Bonjour, est-ce le moment pour acheter de fait? Alors, Andy, ça, c'est une question qui revient. Très souvent, il n'y a pas de mauvais moment pour acheter ou pour vendre. À partir du moment où tu vois un bien qui t'intéresse et que tu estimes que son prix, je dis n'importe quoi, il est présenté à 110 et que tu estimes que le prix de ce bien est plutôt 100, eh bien, fais une offre à 100 et à ce moment-là, pas besoin d'attendre 1000 ans pour faire ta proposition au prix que tu estimes, toi, vouloir payer. La seule chose que tu risques, ça c'est pour Andy, c'est que ta proposition soit acceptée, tout simplement. Voilà, que ce soit entre particuliers ou avec un professionnel. Tu ne risques rien. Donc, il n'y a pas de mauvais moment pour acheter. J'espère avoir répondu. Sunshine, bonjour. Alors, je remonte un petit peu parce que toutes les personnes qui rejoignent, en fait, posent pas de questions, mais merci beaucoup, c'est gentil. Ben, merci à toi. Enfance détruite. Les taux augmentent, les gens ont peur de baisser leur prix, donc impasse pour le moment. Les taux augmentent, oui. Les gens ont peur de baisser leur prix. Alors, enfance détruite, alors, sur le fond, je ne suis pas en désaccord avec toi. Évidemment, le fait que les taux augmentent, ça ne facilite pas les transactions. C'est pour ça qu'au niveau du gouvernement, il y a énormément de pression qui est faite. Tout en préservant le taux d'endettement, puisqu'on ne va pas vous permettre de vous endetter, je dis n'importe quoi, à 80% pour être complètement étranglé par les dettes. Donc la situation ne va pas se débloquer en vous permettant de vous surendetter, en fait. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en train d'écrire en WhatsApp, je ne vais pas. Je ne vais pas couper le live pour vous répondre tout de suite, hein. Comprenez-le bien. Par respect pour les personnes qui nous suivent, je vais finir le live d'abord. Mais je vous répondrai juste après. Pardon. Alors voilà, donc ça, je dirais peur, non, le terme, ce n'est pas forcément peur, c'est tout simplement ils n'ont pas pris conscience qu'en rejoignant le niveau de prix de la demande, ils allaient réaliser des ventes. Encore une fois, enfance détruite. Il y a des ventes tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui achètent, tous les jours, il y a des gens qui vendent. Et ce n'est pas forcément à des prix bradés, c'est tout simplement le prix du marché. Alors ça, c'est bon. Hop, je remonte, je cherche vos questions. Sunshine, bonjour. Donc ça, j'ai déjà vu. Andy, je t'ai répondu. Super, moi, j'ai peur avec les taux. Non, alors, Andy, il ne faut pas avoir peur. Des taux en ce moment, je partage avec toi l'expérience de mes anciens beaux-parents qui ont acheté dans les années 80 à 17% de taux d'intérêt. Je ne sais pas si tu imagines ce que c'est que 17%. Donc aujourd'hui, quand on est à 3,5, 3,6, 3,7 et qu'on va arriver vraisemblablement à 4
peut-être même 4-5. Ce n'est pas. C'est vraiment, il n'y a pas de mauvais moment. Il faut se lancer, Andy. Lance-toi le plus tôt possible. Franchement, je n'ai pas d'intérêt à vous le dire. Moi, la seule crainte que je puisse avoir, c'est de vous donner un conseil qui soit mauvais, que vous me balanciez sur Google, disant Philippe Jean-Louis, c'est vraiment un rigolo, quoi. Donc, il faut se lancer, Andy. Il ne faut pas avoir peur. Bon, comme dirait un certain ministre, ça va bien se passer. Adrien, bonjour. Que pensez-vous du métier de promoteur immobilier? Ben, j'aimerais pas être promoteur immobilier aujourd'hui. Mais j'en pense ni du bien ni du mal. J'en connais certains. J'en connais un d'ailleurs qui travaille dans le sud de la France et qui fait des choses somptueuses. Je commercialise d'ailleurs un appartement au Rayol et c'est un truc de fou. Il y a des promoteurs immobiliers qui sont des artistes. Comme il y a des promoteurs immobiliers qui font de la masse. Alors, Sunshine, 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 Sunshine. Alors, hop, hop, hop. Adrien. Alors, hop, 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 hop. Alors, attendez, parce que là, est-ce le moment d'acheter? Oui, la raison à cela, je pense que j'ai répondu, c'est Chanx 9. Raison de la baisse d'achat en région parisienne. Mon analyse, elle est simple. Simple. C'est ce que l'on appelle un marché d'acquéreurs. C'est-à-dire que ce sont les acquéreurs qui font les prix aujourd'hui et non plus les vendeurs. La tendance naturelle, c'est d'augmenter les prix d'année en année, de suivre l'inflation, de suivre tout ce que vous voulez. Tous les indices sont bons pour augmenter les prix. Et à un moment donné, on arrive à un palier. Donc ce palier, on l'a atteint, à mon avis, fin 2022. On a atteint un palier où les acquéreurs ne suivent plus. Aujourd'hui, forcément, avec l'inflation, on a moins d'argent tous à dépenser dans une acquisition d'appartement, donc ça baisse notre budget d'une façon mécanique. Donc que ce soit à Paris ou soit ailleurs, eh bien les acquéreurs ne vont plus avoir les mêmes moyens et vraisemblablement la majorité des acquéreurs, puisqu'encore une fois, un marché ne se fait pas sur une seule vente dans l'année, ça se fait sur le nombre entier des ventes. Donc ils attendent tout simplement des prix. La presse parle de baisse, donc ben, naturellement tout le monde va attendre une baisse. Voilà, c'est Chanx 9, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, il y a le petit point qui trouve que je suis insolent. Bon, ok. Adrien, ben, écoute, si tu me trouves que je suis insolent, je t'invite à ne pas me suivre. Tu n'as vraisemblablement pas besoin de mes conseils et c'est bien, je suis bien heureux pour toi. Alors, Adrien, que penses-tu du métier de promoteur immobilier? J'ai répondu. Est-ce le bon moment pour investir cash vu les prix? Ilyes, investir cash, ça ne me semble pas être une bonne idée. Si tu as du cash, fais un apport et investis avec un prêt sur quelque chose de plus important. Investir cash, pour moi, ce n'est pas un bon calcul. Dr House, mais il n'y a pas de souci, j'écoute tout. Bah, tant mieux. Je t'avoue, Dr House, que vu le nombre de questions auxquelles je réponds, je ne sais plus. Ah, c'était pour Andy. D'accord. Andy. Alors, Andy, ben voilà. Alors, ça, vous voyez, mettez bien à qui vous vous adressez, en fait, parce que sinon, moi, je le prends pour moi, hein, direct. Donc, Sunshine, c'est compliqué d'acheter car les frais de notaire ne sont pas pris en compte dans un prêt. Alors, ça, c'était le prêt à 110%. Je ne suis pas spécialiste des prêts. Je poserai la question à un courtier, Sunshine. Mais le taux à 110, je ne suis pas sûr que ça n'existe plus. Sunshine, c'est. Donne un petit coup de téléphone à un courtier. En plus, c'est plus intéressant que les banques. Hein. Très, 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 très souvent. Alors, Norep 3. Pensez-vous que les prix vont réellement baisser? Les vendeurs sont réticents, j'ai l'impression. On ne peut pas en vouloir, Norep 3, à un propriétaire de ne pas baisser son prix. Moi, j'ai un cas bien particulier. Il se trouve que dans les semaines qui viennent, on va baisser le prix de façon drastique, puisque j'ai une consœur d'une maison renommée mondialement, que je ne nommerai pas. Ça me tente, mais je vais pas le faire. Oui, je me retiens là. Qui lui a fait la danse des mille voiles.
Il est tombé dans le panneau et elle lui a fait croire qu'il pouvait vendre son appartement, sa résidence principale, à 40% au-delà du prix. Résultat des courses, 2 ans après, rien n'est vendu. Tout le monde a perdu du temps. Elle s'est fait plaisir avec sa vitrine, parce que c'est vrai que l'appartement est très beau, il y a de magnifiques photos, et ça sert comme un appât. En fait, cet appartement-là a servi d'appât pour d'éventuels autres propriétaires qui se disent: Oh, mais attends, mais s'ils vendent à ce prix-là, dans cette maison-là, c'est fantastique, le mien est comparable, je vais leur confier. Évidemment, ils tombent dans le panneau. Donc, comment expliquer à un propriétaire, quand tu viens après, qui a été, mon expression, c'est punaisé, c'est-à-dire que c'est le propriétaire, il est à ce niveau-là de prix, et pap, on a mis la punaise à ce prix-là. Et bien, il va rester à ce prix-là. Il ne peut pas comprendre qu'on lui ait menti. Est-ce que c'est un problème d'ego? Est-ce que c'est un problème de susceptibilité? Il ne peut pas imaginer un instant qu'on se soit moqué de lui, j'allais dire autre chose. Ben, il lui faut un certain temps pour digérer. Eh bien, ça, il y a des propriétaires qui commencent à dire: Bon, ben, je me suis fait rouler dans la farine, j'arrête de perdre du temps et je baisse de façon très importante mon prix pour rejoindre le prix, comme par hasard, que j'avais estimé il y a 2 ans. Voilà, et c'est un cas très concret. Ça m'amène à une petite aparté, mais qui va vous intéresser vraisemblablement. Lorsque vous allez baisser le prix de vos appartements, chers propriétaires, n'oubliez pas qu'il y a un site qui s'appelle Castorus, où la référence de votre annonce, il suffit de faire un copier-coller de l'annonce qu'on trouve sur Internet, de le mettre sur le site Castorus, et vous allez voir les baisses de prix. Donc idéalement, quand on n'est pas roublard, mais quand on fait une vraie opération de nettoyage pour que l'appartement apparaisse comme s'il était vierge de toute commercialisation, il faut refaire un nouveau mandat, afin d'avoir un nouveau numéro. Excusez si j'arrive à poil, c'est pas terrible. C'est pas mon style, hein, c'est mes lunettes que je mets là en général. Avec Castorus, vous avez tout l'historique de la commercialisation. Donc vous voyez un appartement à un certain prix, puis d'un seul coup, ça va. Voilà. L'explication, elle est simple. Moi, si on m'appelle avec cet appartement, parce que je ne vais pas faire un nouveau mandat, je vais jouer la transparence encore une fois, c'est ma marque de fabrique. Je vais simplement expliquer que le propriétaire s'est fait rouler dans la farine par des gens qui n'étaient pas sérieux et qu'aujourd'hui, bah, il s'est réveillé. Voilà. Il s'est réveillé et donc on va commercialiser au bon prix. Et vous verrez vraisemblablement, eh bien, étant donné qu'il va baisser le prix dans tous les agences, on pense, il n'y a aucune reconnaissance de sa part, tout le monde va baisser le prix et ce sera le premier qui va dégoter le bon acquéreur. Voilà. Donc, voilà nos REP 3, pourquoi tu trouves que les vendeurs sont réticents, c'est parce qu'ils ont été mal conseillés au départ. Aladino 667, est-ce que l'ancien se porte mieux que le neuf? Oui. Oui. L'immobilier ancien, qui ne se porte pas bien, se porte moins mal que l'immobilier neuf. Adrien, j'ai déjà répondu à ta question. Andy, super, merci beaucoup. J'ai peur avec les taux en ce moment. Bon, alors, j'ai déjà répondu, il faut pas avoir peur. Pour mon achat, il me faut un apport de 40 000 euros, donc compliqué. Sunshine, encore une fois, je t'invite à aller voir un courtier immobilier, ce sera toujours mieux. Alors, Noreb 3, par expérience, combien de marge possible en payant un bien cash à votre avis? Depuis que je fais ce métier, on a toujours dit, alors tu insistes, hein, si tu veux payer cash, c'est pas mon argent, c'est le tien. On estime que c'est 5% de négociation directe. C'est-à-dire que tout simplement, et peut-être même aujourd'hui un peu plus, avec des conditions d'obtention de crédit qui sont difficiles, on disait 5. On peut peut-être aujourd'hui arriver à 5, 7% de négociations possibles. Voilà. Encore une fois, qui ne tente rien, Noreb 3. Voilà. C'est quoi la raison de la vente? Alors ça, c'est Champneuf, j'ai déjà répondu. Oui, ils vont en rediscuter en juin normalement. Sunshine, d'accord. Adrien, j'ai répondu. Actuellement, ça bloque tout le monde. Alors attendez, je remonte. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. El Solitario, bonjour. Alors, pop, 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 pop. Alors, actuellement, ça bloque tout le monde. Alors, ça bloque. Tout le monde veut vendre beaucoup trop cher et les acquéreurs l'ont bien. Bon, je vais finir ta phrase, l'ont bien compris. Oui, c'est donc ce que l'on appelle, Dr House, un marché d'acquéreurs. Ce sont les acquéreurs qui font la loi.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un décompte. Moi, je l'ai sous les yeux. Dans 18 minutes, en théorie, on arrête le live. Sauf si quelqu'un s'abonne, on gagne 10 secondes. Donc, c'est assez amusant. On verra. Bon, je vous rassure, j'arrêterai le live quand j'en aurai envie, mais ce ne sera pas dans 18 minutes. Donc, bon, pour ceux qui estiment que ce n'est pas la peine de s'abonner, ne vous abonnez pas. Et tant pis pour vous. Pourquoi? Parce que dorénavant, j'ai fait une vidéo là aujourd'hui, et c'est une consoeur qui m'a donné cette idée-là. Avant de commercialiser les biens sur l'intégralité des réseaux sociaux, type se loger, enfin pas réseaux sociaux, mais les réseaux internet professionnels, eh bien je mettrai sur mon propre réseau pendant une semaine. Donc il y aura sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, que aux personnes qui me suivent. Donc comme ça, à bon entendeur, salut. Alex, est-il un bon moment pour devenir agent indépendant? Tout dépend de ta trésorerie, cher Alex. Quand on se lance dans l'immobilier, ou je vais parler d'immobilier, de la profession que je connais, quand on se lance en tant qu'indépendant, il faut avoir au moins devant soi un an de trésorerie. Voilà, donc tu calcules ce qui tes dépenses mensuelles, tout, tes crédits, etc. Tout ce que tu dépenses sans faire grand-chose pendant un mois, d'accord, ou un an, si tu veux, puis après tu divises par 12. Et tu rajoutes la mensualité que tu vas devoir payer pour rejoindre, par exemple, un réseau. Voilà. Et à partir de ce moment-là, si tu es capable de tenir avec ta propre trésorerie un an sans toucher zéro, lance-toi. Si ce n'est pas le cas, ne te lance pas. Tom Peps, bonjour. Sunshine, c'est énorme, 17%. Mais c'est juste hallucinant, Sunshine. C'est-à-dire qu'on est à pratiquement. Enfin, du temps où l'année dernière, on pouvait emprunter à 1%. T'imagines, c'est 17 fois plus, c'est du délire. Alors, c'est pour ça que moi, ça me fait, j'ai pas envie de dire sourire, mais quand je vois que des gens disent, ah, mais c'est 4%, c'est une catastrophe, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas conscience de d'où on vient. Ils ont oublié d'où on venait. C'est très souvent le cas dans la vie, on oublie d'où on vient. Le taux d'intérêt va passer à 6% début 2024, El Solitario. Donc, vous voyez, alors, imaginons que El Solitario ait raison. D'ailleurs, c'est un drapeau libanais, ça. Alors attends, le problème c'est que la revente de l'appartement 20 ans plus tard va faire mal aux poches. Moi je suis pas très doué, je suis pas un grand fan des projections à 20 ans. En revanche, quand tu dis que le taux va passer à 6 début 2024, je te laisse juge de cette affirmation. Je ne dis pas que c'est pas le cas, hein. Mais c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, quand on hésite à s'endetter à 4%, vous imaginez bien que si ça continue d'augmenter, dans un an, imaginons qu'on soit à 5, dans un an, ou à 6, ben vous direz, merde, j'aurais mieux fait de m'endetter à 4% qu'à 6. Vous voyez? Donc c'est pour ça, c'est pour ceux qui hésitent. Alors, Coraya, est-ce qu'acheter dans Paris, c'est encore une bonne idée? C'est toujours une bonne idée d'acheter dans Paris. Paris, c'est la ville qui fait rêver la planète entière, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. C'est encore le cas, malgré la volonté de certains de vouloir tuer notre belle ville, notre belle capitale. Alors, Arnaud Billon 75. Nul. Ah, allez, j'adore. Arnaud Billon 75. Ma réponse, elle va être pour toi. Alors, Arnaud Billon 75, il estime que c'est nul de citer cette histoire de 17% d'intérêt. Il fallait 10 ans pour rembourser une maison classique. Hein, ouais. Avec un salaire moyen. Bon, bah écoute Arnaud Billon, je ne sais pas quoi répondre. Il y a rien à répondre. Tu as raison. Voilà. J'espère que tu es content. Et je me demande parfois pourquoi je perds du temps à lire des trucs pareils. Bon, allez, Arnaud Billon, si tu es correct et bienveillant, tu vas rester. Je vous préviens, hein, tous ceux qui ne sont pas bienveillants, je vous dégage. Voilà, vous n'avez rien à faire là. Et vous m'amenez rien, en fait. Et vous n'amenez rien aux personnes qui regardent. Alors, comment se lancer quand on n'a pas l'apport nécessaire? Alors j'imagine que ta question, Sunshine, c'est comment se lancer dans l'acquisition d'un bien quand on n'a pas l'apport nécessaire? Est-ce que c'est ça ta question?
Alors, Coraya, quels seraient selon vous les meilleurs promoteurs sur le territoire? Aucune idée, Coraya. Je n'ai pas de conseil à te donner sur le meilleur promoteur. J'ai une cliente, j'en ai parlé déjà. J'espère que monsieur Arnaud Billon ne va pas considérer que c'est nul. J'ai une cliente qui a acheté à côté de Monaco et le promoteur a fait faillite. Voilà, avant la livraison. Donc chacun tirera les enseignements. Nonor, t'aurais un Pinel pour moi. Alors, Nonor, je t'invite à m'envoyer un WhatsApp avec ta recherche et je vais me connecter pardon, au site partenaire d'IAD et je te dirai ce que je peux te proposer en Pinel. Donc n'hésite pas, mon portable c'est 06 73 69 28 21 et il y a également un petit formulaire sur lequel vous pouvez, auquel vous pouvez accéder et vous laisser vos coordonnées et je traite aussi ces demandes-là. Merci Pascal Duchon pour les j'aime. Alors, Tom Peps, bonjour. D'ici peu, les taux vont se calmer, plus autres mesures, ça risque pas de créer plus d'attentisme. Difficile à dire. De toute façon, Tom Peps, on va toujours avoir des gens qui vont attendre. Et ces personnes-là ne feront jamais rien. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une raison. Et tu as raison, et ça va rejoindre. Ces gens-là attendront. Ah ben les taux montent, ben je vais attendre que ça descende. Puis quand ça va descendre, ils diront, ah ben je vais attendre que ça descende encore plus, c'est pas assez intéressant. On prêtait à 1, ben si ça descend à 3, ben je vais attendre que ça descende à 1. Voilà. Ces gens-là ne font pas le marché. Nonor. Bon ben voilà, Nonor, Coraya, prend le risque de te donner un promoteur, pourquoi pas. Je ne cautionne absolument pas. Alors, Coraya qui explique à Tom Peps que les taux ne se calmeront pas, on va finir à 7% potentiellement. Bon, ben vous voyez. Alors, Sunshine, j'ai appelé un courtier, il m'a dit d'avoir l'apport pour attendre, donc attendre pour acheter. Bon, alors, si un courtier te le dit et que la banque te le dit, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle pour acheter sans apport. Si l'apport est zéro, les banques vont demander un minimum d'apport. On parle de 10, voire 15% aujourd'hui. Alors, Sunshine, ben oui, mort de rire, on n'emprunte plus sans apport. Oh, mort de rire, Coraya, non. Je ne suis pas d'accord. Un peu de bienveillance, et on n'est pas tous des professionnels ni de l'obtention du crédit. Donc, voilà. Et oui, apparemment, à l'époque, c'était compris dans le prêt, mais plus maintenant. Oui. Alors, j'imagine que tu faisais. Oui. Alors, il y a eu du 110 et il y a eu des prêts sans apport, c'est vrai. Voilà. Alors, méfiez-vous de moi. Hein. Je suis très susceptible. Hein. Quand je vois quelque chose qui ne me semble pas. Guy Billy, bonjour. La bienveillance, c'est vraiment ce qui prône et ce qui prime, pardon, chez moi hein, et dans mon esprit. Bonjour Guy. Sunshine, que pensez-vous de l'achat en viager? Je trouve que c'est une excellente idée. Aussi bien pour l'acquéreur, aussi bien pour le vendeur. Moi, à titre personnel, j'ai conseillé une dame qui ne m'a pas écouté, et j'avais fait une vidéo parce que il y avait une agence qui s'était moquée d'elle, et qui avait pris un mandat en expliquant qu'il travaillait, qu'il connaissait très bien Philippe Jean-Louis, moi-même, tout en sachant que j'avais jamais travaillé avec ce mec-là, et je ne le connaissais que de vue, et de nom, et au vu de ce que je savais sur lui, jamais j'aurais travaillé avec lui. Mais il s'est permis de prendre un mandat auprès de cette vieille dame. En lui expliquant qu'on travaillait ensemble. Il fait partie des 95% de gens que j'exècre dans ma profession. Et donc, moi, quand j'ai rencontré cette dame-là, je lui ai proposé de plutôt vendre en viager, de rester chez elle, mais elle ne voulait pas. C'est bien dommage. Pourquoi? Elle a ses raisons perso hein, de vouloir vendre. En petit aparté, on a vendu et on attend la signature de l'acte authentique courant juin. Pourquoi? Parce que ça lui aurait permis de rester dans son appartement, de toucher 30, grosso modo 30% avec un bouquet sur la valeur de son appartement, un peu moins d'un million, puisqu'on a vendu 800 et quelques mille, donc elle aurait touché 240 000 euros, et puis après une rente à vie. Donc elle aurait eu 240 000 euros sur son compte, qui lui permettait éventuellement de faire des travaux dans son appartement, des améliorations, de rester chez elle, garder ses habitudes. Et en plus de toucher une rente à vie.
Donc, mais elle n'a pas voulu. Donc, est-ce que j'en pense du bien? Oui, j'en pense du bien. La banque, alors ça, c'est Zizou 00. La banque prête-t-elle à taux zéro sur le marché immobilier? Là, Zizou, je ne comprends pas trop ta question. On parle tous de taux à 3,6, 3,7, voire 4. Mais toi, tu dois me parler du prêt à taux zéro. Je ne maîtrise pas le prêt à taux zéro. Tu me parles du PTZ à tous les coups. Alors, JC le magnétiseur. Mais depuis 2021, j'ai prévenu que les tables X allaient dépasser les 7% avant fin 2023. Oula, bon, ok. Docteur House, que penses-tu? MLM, ces réseaux qui recrutent à tout va. Que. Alors, RH Conciergerie Privée, on s'apprécie tous les deux. Bonjour à toi, comment tu vas? Eh bien, écoute, je te remercie, RH Conciergerie, je vais très bien. Contrairement à ce que disent certains. Ah oui, je vais vous raconter une anecdote. Allez, je fais une petite aparté dans le live immobilier, mais ça va vous faire sourire et je me demande si je vais pas partager la vidéo. Je rencontre une gardienne. Vraiment, je prends 30 secondes pour raconter ça. Rue de Passy. Elle me dit, mais comment ça va alors la santé? Puis je me dis, c'est quand même bizarre, j'étais greffé il y a 5 ans. Et elle me demande de mes nouvelles. Encore aujourd'hui, oui, parce qu'il y a un de vos confrères. Je voulais vous appeler pour vous dire qu'il y avait un appartement en rez-de-chaussée à vendre, avenue Paul Doumer. Et je suis tombé sur un confrère qui m'a dit que vous étiez gravement malade et que vous aviez abandonné l'immobilier. Donc je ne vous ai pas appelé. Eh franchement, elle est pas belle l'histoire? Vous êtes vraiment, enfin, vous, nous, dans cette profession, mais il y a vraiment des pourris, mais jusqu'à la moelle en fait. Les types, il n'y a rien à en tirer. Ils sont capables d'aller dire que les autres sont malades pour récupérer des mandats. Bon, là, ça, c'était la petite anecdote. Donc, bonjour à toi, comment tu vas? Eh bien, je suis en pleine forme, les mecs. Voilà. Alors, Deutera, que penses-tu du MLM, ces réseaux qui recrutent à tout va? Alors, un réseau qui recrute à tout va, je trouve ça lamentable. Qu'est-ce que je pense du multi-level marketing? Ben écoute, j'en pense du bien dans le sens vertueux, puisque le réseau auquel j'appartiens, et tu es peut-être un coquin, parce que tu t'attends peut-être à ce que je dise, oh là là, j'ose pas répondre. IAD pratique le multi-level marketing. C'est-à-dire que l'objectif, on a deux façons de faire de l'immobilier en tant que mandataire. C'est soit d'être mandataire et de se contenter, entre guillemets, de travailler seul dans son coin. Ou alors de vouloir s'entourer de personnes avec qui on a envie de partager. Vous voyez, moi, je partage, c'est dans mon ADN de partager les choses. Vous aurez remarqué que je ne vous demande pas un euro pour partager mes expériences avec vous. Et donc, je partage avec des personnes qui veulent faire de l'immobilier dans le 16e, parce que j'estime que lorsque l'on veut parrainer quelqu'un, ça ne se fait pas à distance. Moi, je ne sais pas faire, puis je n'ai pas envie de passer mes semaines en voiture, en avion, en train ou que sais-je pour aller loin de chez moi. Donc, ces personnes-là, je les recrute. Elle verse 200 euros tous les mois, d'accord, sur lesquels je touche zéro. Et c'est là, cher Dr House, où à mon avis, tu fais peut-être une analyse avec la pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que le siège de IAD France ne me reverse de l'argent que si et seulement si mes filleuls font un chiffre d'affaires. Alors, comment ça marche? Le siège va encaisser 100% de la commission et va retourner 69% à la personne qui a fait le chiffre d'affaires. D'accord? Ça, c'est clair. Donc, ils ont gardé 31%. Et sur les 31%, ben, sur mon premier niveau, ils vont me reverser 7%. Sur mon premier niveau, sur la personne qui a généré la commission de 100. D'accord? Donc, ça n'est en rien prélevé sur mon filleul, comme mon parrain, il touche 7% de mon chiffre d'affaires. Mais ça ne vient pas gréver ce que je touche. Donc, qu'est-ce que je pense du MLM dans ce sens-là? Je n'en pense que du bien. Voilà. Mais faire le parallèle entre le MLM et les réseaux qui recrutent à tout va, c'est un peu coquin ou un peu taquin. Mais enfin bon, je vous ai dit, moi, je suis assez. Je peux être assez susceptible, donc parfois. Bon. Allez, vous permettez, je fais le ménage. On a encore un con avec nous. Alors, on va l'envoyer. On va l'envoyer ailleurs. Voilà. Puis on va juste vérifier qu'on ne le suit pas. Non. Et hop, on le black list. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. On est entre gens de bonne éducation et ça me va très bien.
Alors, hello, que penses-tu du loueur du statut? Alors ça, c'est Selim Carioca. Qu'est-ce que je pense du loueur meublé non professionnel et quel avenir pour une location courte durée type Airbnb? Merci. Qu'est-ce que je pense du statut du loueur meublé non professionnel? Écoute, moi je trouve que c'est un statut qui est plutôt assez intéressant au niveau des impôts. On a des spécialistes, notamment un certain Eric, mais qui n'est pas connecté à cette heure-ci, parce que c'est quand on fait des lives, ben, on ne peut pas être connecté en permanence. Donc moi je trouve que c'est plutôt très intéressant parce que vous pouvez diminuer pas mal de frais. Donc au niveau de l'imposition, c'est plutôt intéressant. Quel est l'avenir pour le type Airbnb? Eh bien, dans Paris, pour parler du marché parisien, vous savez que c'est la guerre contre les Airbnb. Donc, à court, moyen terme, je ne ferai pas le pari sur le Airbnb, sauf si vous avez des logements qui sont sous statut commercial. Auquel cas, c'est une excellente affaire. Voilà. Puisque vous échappez à tout ce qui est loyer plafonné à Paris. Ça, c'est Selim Carioca. J'espère avoir répondu à ta question. Selim, si j'ai pas répondu, n'hésite pas, tu m'envoies un WhatsApp et je prendrai un petit peu plus de temps. Sunshine, oui, c'est ça ma question. Comment se lancer sans l'apport nécessaire? Malheureusement, Sunshine, pas possible. Alors, hop, hop, hop. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Sunshine, merci pour vos conseils. Merci à toi, Sunshine. C'est toujours sympa de dire un petit merci. Et si tu as le temps, je veux bien que tu me mettes un avis sur Google, sur Philippe Jean-Louis, qui fait de l'immobilier dans le 16e, c'est moi, sur ce que tu penses de moi. Ça m'aide au niveau des référencements pour les prochains clients dans le 16e. Voilà, si c'est une contribution que je peux demander, ce serait celle-là. Alors, Flic and Fluke. Un autre bon investissement, verre anti-reflet sur les lunettes, blague à part. Oui, Flic and Fluke, oui, c'est vrai. Mais si je fais ça, alors vous allez tout savoir. Ça, c'est des lunettes qui m'ont coûté 35 balles. Vous voyez? Parce que j'en ai ras-le-bol de mettre des 1000 et des 100 dans les lunettes avec les verres, traitements bleus, etc. Mais je suis d'accord et merci pour les conseils, sont bons, c'est sympa. Donc c'est des lunettes à 35 balles, donc on ne peut pas trop leur demander non plus. Ça me permet. Est-ce que je vois comme ça? Ouais, bah non, je vois, mais ça va, je vais être comme ça, donc ce sera plus agréable pour vous. Alors, Travis Scott. Vous pensez qu'il vaut mieux faire des rénovations ou détruire puis construire? Alors ça, c'est une bonne question aussi. J'ai quelqu'un d'assez proche qui a acheté une maison en Charente. Je pense qu'elle n'est pas sur TikTok, mais je partage une partie des vidéos sur Instagram après. On verra, peut-être qu'elle se reconnaîtra. Parfois, la question se pose, puisque les coûts de rénovation sont parfois supérieurs aux coûts de construction. Donc Travis Scott, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est vraiment du cas par cas. Mais tu vois, mais la question, je te remercie, elle vaut d'être posée. Alors je ne sais pas ce qui va se passer dans 4 secondes. Si jamais ça coupe, je me reconnecte, hein, puisqu'il y a le subathon. Et en théorie, quand quelqu'un s'abonne, ça rajoute 10 secondes. Alors je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'est abonné. Ou alors je ne sais pas faire fonctionner ce truc-là. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, on continue. J'espère que vous m'entendez toujours. Merci pour vos conseils. Ça, c'est Sunshine. C'est moi qui te remercie. Bomber01, salut de Malte. Eh bien, salut de Paris. 345 NA6. NA6. Est-ce que vous conseillez pour faire. Alors, quoi? Est-ce que vous conseillez pour faire de l'optimisation fiscale via l'achat d'une seconde résidence? Pa, 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 pa. Alors attendez, parce que je fais encore un peu de ménage, on a encore des rigolos. Qu'est-ce que vous conseillez? J'imagine que c'est ça la question. Qu'est-ce que vous conseillez pour faire de l'optimisation fiscale via l'achat d'une résidence secondaire? Je ne comprends pas trop ta question et je vois pas comment tu pourrais faire de l'optimisation fiscale en achetant une résidence secondaire en gardant ta résidence principale.
345 et N6, je ne comprends pas ta question. Désolé. Si tu veux la reposer, peut-être que c'est pas assez long, peut-être sur WhatsApp. Bon, tu peux l'envoyer par WhatsApp, je veux bien essayer de te répondre. Mon portable, c'est 06 73 69 28 21. D'ailleurs, je pense qu'il est dans mon descriptif là-haut. Alors, pop, pop, pop. Alors, Alex, j'ai acheté un box plus parking à 9 000 euros en Belgique à 20 ans. D'accord. J'ai pas d'avis sur la question. Je connais le marché belge. Je connais le marché belge. J'ai habité en Belgique pendant 10 ans. Et de mémoire, c'est 3 fois moins cher qu'en France. Donc, écoute, tout est une question de rentabilité. Hello depuis le Cameroun. Ça, c'est Gaël Along 418. Eh bien, bonjour le Cameroun. Bonjour de Paris. Alors, Sunshine, si. J'ai un apport de 10 000 euros sur 40 000 euros, donc un quart de la... Pensez-vous que lorsque le... Ah, wow, comment? Si, alors, si j'ai un apport de 10 000 euros sur 40 000, donc un quart, merci, de l'apport, pensez-vous que le prêt est possible? Sunshine, encore une fois, c'est une question qu'il faut poser à ton courtier. Je ne suis pas ni banquier, ni courtier. Je ne peux pas répondre à ça. Tout dépend des revenus que tu vas déclarer. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Dans l'absolu, si on te demande 40 000 euros d'apport et que tu n'amènes que 10 000, on te dira non. Mais ça, c'était simple à dire. Zubikaza, à ton avis, quand les prêts immobiliers vont baisser leur taux et quand la valeur immobilière diminuera? N'y a pas de réponse à ta question. Mon avis n'a aucune valeur. Je suis très touché, hein, mais mon avis n'a pas de valeur. Quand est-ce que les taux immobiliers vont baisser? Mais enfin, pour le moment, on ne parle que de hausse. Donc, pour moi, ils ne vont pas baisser. Il ne faut pas rêver. Mon analyse, les taux ne vont pas baisser. Il vaut mieux s'endetter aujourd'hui à 3,5, 3, 6, voire 4, que potentiellement 5, 6, voire encore plus potentiellement avec un taux variable. Que vous n'avez pas connu vraisemblablement, mais que j'ai connu moi, et avec des taux qui pouvaient passer de 4 à 6 sans prévenir. Et quand la valeur immobilière diminuera? Ben, la valeur immobilière parisienne, alors j'aime pas dire que la valeur immobilière diminue, c'est tout simplement une correction qui va s'apporter. C'est une correction sur les prix, sur la valeur du marché qui est en train de s'opérer. RH Conciergerie, je vais bien, merci, c'est une bonne nouvelle. Alors, Naïm L246, tu penses quoi du réseau Stéphane Plaza? Je n'en pense ni du bien ni du mal. C'est marrant parce que je suis flatté encore une fois. Hein. Pour moi, ce qui est important, ce n'est pas la réseau. Ce n'est pas la raison. Ce n'est pas le réseau, quel qu'il soit. Stéphane Plaza, il y a des Safti, Philippe Jean-Louis, International. C'est pas ça qui est important, c'est le collaborateur du réseau. Si vous avez un bon professionnel chez Stéphane Plaza, allez voir le bon professionnel chez Stéphane Plaza. Si du jour au lendemain, le professionnel de chez Stéphane Plaza se barre parce que ça lui convient pas, parce que finalement il se rend compte que chez IAD c'est mieux, ou que chez Safety c'est mieux, ou etc., eh bien rejoignez cette personne-là dans l'autre réseau. C'est vraiment, pour moi, je crois à l'humain, je crois aux bons collaborateurs. Quand j'ai eu ma propre agence, je formais tous mes collaborateurs. Ce n'est pas pour autant qu'ils me l'ont rendu, mais j'ai la prétention d'avoir travaillé avec des gens que j'avais formés, qui étaient des vrais professionnels. Après, sur le moyen terme, on se rend compte qu'on peut s'être trompé. Et il m'est déjà arrivé de me tromper sur des collaborateurs qui finalement étaient des vrais pros, mais pas forcément honnêtes. Et s'il y en a qui sont là, qui viennent me dire le contraire, je serais très intéressé. Alors, moi, ça, c'est un drapeau. Alors, je n'ose pas dire algérien, je pense. Je ne vois pas très bien. Les taux sont à 4%, mais les immobiliers ne baissent pas. Alors, mais les prix immobiliers ne baissent pas. Pas encore, mais il va y avoir une correction du marché. Pourquoi une correction du marché, pas une baisse des prix? On a tellement surévalué, je dis on parce que je vais me mettre dans le data pour rentrer des mandats. Oui, c'est fantastique, votre bien, je vais le vendre tout de suite. Puis d'un seul coup, ben,
il y a un seuil, il y a un plafond qui ne peut plus être dépassé. Et là, ce n'est pas le marché qui décroche, c'est les acquéreurs. Hop, ils descendent et ils descendent à ce niveau-là. Et ils ne vont plus augmenter. Ils vont attendre. Donc qu'est-ce qui se passe? Tant que les professionnels de l'immobilier disent, oui, non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Et puis à un moment donné, pop, on arrive à un plafond. Qu'est-ce qui va se passer? Les taux augmentent, donc vous avez la majorité des gens qui baissent encore leur capacité d'emprunt, donc c'est le niveau, leur niveau d'endettement va arriver à ce niveau-là. Et bien il va falloir attendre que le marché arrive là. Et là, vous allez voir, ça va reprendre. Et à un moment donné, eh bien, les transactions vont repartir et un effet classique et naturel va faire qu'à un moment donné, quand il n'y aura pas assez d'offres et trop de demandes, ben on va augmenter un petit peu le prix de l'offre et on va repartir dans la règle de l'offre et de la demande. C'est pas demain la veille. C'est pour ça qu'il faut avoir. Aujourd'hui, on fait le dos rond quand on travaille dans l'immobilier. Zubikaza, super, merci quand même. Je t'en prie, Zubikaza, si j'ai répondu à ta question, je suis content. Alors, Max, comment maximiser ses chances d'avoir un prêt? Alors, comment maximiser ses chances d'avoir un prêt? Pas de découvert dans les 3-4 derniers mois, peut-être même dans les 6 derniers mois, aucun découvert. Avoir un apport 10, voire 15%. Être en contrat à durée indéterminée. Éventuellement, si tu peux rajouter de travailler dans une administration française, alors là, c'est le Saint Graal. Tu as un bon salaire, tu es dans l'administration, donc avec un emploi en théorie assuré, 15% d'apport et pas de découvert. Il n'y a pas de raison que tu n'aies pas ton crédit. Ça, c'est une réponse pour Max. Somebody, alors quel premier investissement pour un étudiant avec 10 000 euros d'apport? Idéalement, de l'habitation. Tout dépend de la région où tu te trouves. Donc, idéalement, cher somebody, c'est quand même bien. Il y a des étudiants qui ont 10 000 euros d'apport. C'est quand même fantastique. Moi, quand j'étais étudiant, je n'avais pas d'apport. Et je me demandais comment j'allais finir les fins de mois. Enfin bon, c'est comme ça. Eh bien, il faut que tu mettes. Alors, il y a une règle, c'est les 3 E. On en a déjà parlé dans un précédent live. C'est la première règle, c'est choisir un bon environnement. La deuxième, un bon environnement. Et la troisième, un bon environnement. Si tu respectes ça, tu ne feras pas un mauvais investissement. Voilà. Alors, somebody, un garage. Oui, moi, je suis pas un grand fan des garages. Je trouve pas ça très sexy. Mais l'avantage d'un garage par rapport à éventuellement une chambre de service. Là, je vends une chambre de service à 135 000 euros. Qui est loué 500 euros par mois, 480 euros par mois, donc je vous laisse faire un ratio. Dans un parking, tu ne gères pas les problématiques que tu peux avoir, le frigo qui est tombé en panne, un dégât des eaux, ou des problèmes de voisinage, ou que sais-je. Dans un parking, il n'y a pas tout ça. Donc, un garage, oui, c'est pas un mauvais placement. C'est pas un mauvais placement si tu as un bon loyer. Alors, moi, c'est contradictoire. On n'a pas beaucoup d'acquisitions d'immo, mais le prix de revente reste élevé. Non, alors c'est pas. Alors, moi, contrairement à ce que tu penses, d'après moi, c'est pas contradictoire. Pas beaucoup d'acquisitions immobilières ou de transactions immobilières, ça ne veut pas dire que les prix ne doivent pas rester élevés. En revanche, il faut un certain temps. Les prix de l'immobilier descendent plus vite qu'ils ne montent. D'accord? Donc, aujourd'hui, il faut laisser quand même un certain temps aux propriétaires pour déchanter et comprendre qu'ils ont été trompés ou qu'ils se sont trompés. Parce que parfois, vous avez des propriétaires qui décident eux-mêmes du prix et qui vendent sans intermédiaire. Moi, je ne dis pas qu'il faut absolument passer par un intermédiaire pour faire sa vente, hein. Juste, ayez bien conscience de tout ce qu'il y a à faire, c'est tout. Mais il faut leur laisser un certain temps. On ne se réveille pas un matin en disant, bon, ben, je vais baisser de 200 000, je me suis planté. Ça, c'est pas vrai. On ne descend pas de 10, 15, 20% d'un seul coup. En général, on essaye 1%, 2%, etc. Et on perd du temps. Donc, il faut vraiment, à mon avis, aller se faire. Il n'y a pas de contradiction dans ce que je te dis, moi. Et encore une fois, je suis assez humble pour reconnaître mes erreurs. Quelqu'un m'avait posé une question sur le délai de rétractation sur l'achat d'un garage. Est-ce qu'il bénéficiait ou pas de la loi SRU? Qu'est-ce que je lui dis? Ben, je lui dis, ben oui, bien sûr. Eh ben non.
Il n'y a pas de loi SRU sur un garage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'habitation. Donc on considère qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, on n'a pas droit à la loi SRU quand on achète autre chose qu'une habitation. Voilà, donc vous voyez, il m'arrive même de dire des bêtises. Mais je me suis corrigé grâce à... Ah, j'ai oublié son nom. Une claire de notaire, future notaire qui nous suit, qui a eu la gentillesse de me corriger. Alors Guy, si on arrête une location provisoirement en loueur meublé, en statut, alors à chaque fois je vous reprends quand vous faites des abréviations parce que tout le monde ne sait pas de quoi on parle. Le LMNP, c'est le loueur meublé non professionnel. On peut être en loueur meublé professionnel ou en loueur meublé non professionnel. Il y a des incidences fiscales et je ne tiens pas forcément à rentrer là-dedans pour ne pas rencontrer de bêtises. Mais si ça vous... Si vous ah bah tiens, ça peut être le thème d'une vidéo que je fais tout seul dans mon coin. Ça peut être intéressant. Si on achète une location, si on arrête, pardon, une location provisoirement en LMNP, y a-t-il une démarche à faire avant avec l'administration? Passe-t-on comme résident secondaire? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas, Guy, je n'ai pas compris, je te demande pardon. Ta question. Si on arrête une location provisoirement en LMNP, a-t-il une démarche à faire? Y a-t-il une démarche? Passe-t-on comme résident secondaire? Je ne comprends pas ta question, Ghibli. Si tu veux la reposer, je suis navré. Je ne la comprends pas. Mouchouas, bonjour, on veut vendre notre conseil. On veut quoi? On veut vendre notre C conseil, me donner merci. Les amis, posez-moi des questions qui soient intelligibles parce que là, ça devient compliqué, là. Bonjour, on veut vendre, virgule, notre. Alors j'imagine notre maison. C conseil, me donner. Merci. Mouchoas, si tu peux juste reformuler, s'il te plaît, je veux bien essayer de te répondre, mais là, je ne comprends pas. Alors, Max, vaut mieux un bon bien dans un mauvais quartier ou un mauvais bien dans un bon quartier? Eh bien, Max, la loi des 3 E me fait te répondre sans aucune hésitation, il vaut mieux un mauvais bien dans un bon quartier qu'un bon bien dans un mauvais quartier. Pourquoi? Si tu achètes un bon bien dans un mauvais quartier, d'accord? Je ne donnerai pas de mauvais quartier ou de bon quartier parce que je ne veux pas me faire retoquer. Ben parfait, tu vas faire des travaux, tu vas faire quelque chose de magnifique et autour ce sera, on va dire, dégueulasse pour gagner du temps. Si en revanche tu achètes un bien dégueulasse dans un quartier qui te semble qui est un bon quartier, d'après tes critères, eh bien, tu vas vraisemblablement faire une meilleure affaire. Pourquoi? Parce que tu pourras toujours améliorer ton bien alors que tu ne pourras jamais améliorer ton quartier. Voilà, Max, pour répondre à ta question. Alors, comment peut-on louer une chambre de service 480 euros alors que les loyers sont plafonnés maintenant? Alors, c'est une vraie question ou c'est une affirmation, moi? Alors, si c'est une vraie question, tu sais, en France, on fait toujours des lois et des nuances, etc. Moi, je trouve ça fantastique, ça me fatigue à souhait. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas rédiger ton bail, tu vas expliquer pourquoi tu le loues au prix auquel c'est loué. Donc, lorsque ton propriétaire a fait des travaux et qui peut justifier de la valeur des travaux, etc., etc., eh bien, il y a pas un flou, mais il y a on accepte un loyer à 480 euros. Voilà. Tout en sachant que de toute façon, on reste quand même, cher moi, dans ce que l'on appelle la loi de la Dr House. À bientôt, c'était intéressant, merci. Eh ben, génial, tant mieux, je suis content. On reste dans l'offre de la loi de l'offre et de la demande. Voilà. Malgré tout, surtout pour les petites surfaces, c'est comme ça, c'est le marché parisien. On parle de Paris, hein, on ne parle pas d'ailleurs. Voilà. Alors, bonjour. Que conseillez-vous à quelqu'un de 18 ans niveau immobilier, s'il vous plaît? Alors, Maxime, à quel niveau en fait? Pour travailler dans l'immobilier, pour faire un investissement dans l'immobilier? Il faut que tu précises ta question et j'y réponds avec plaisir. Saphir, bonjour. Bonjour, des conseils, je débute dans l'immobilier. Bien, bienvenue dans ce beau métier qui est passionnant et qui est un véritable ascenseur émotionnel. Annie, bonjour, ça va? Eh bien, oui, ça va, je te remercie, j'espère que toi aussi. Alors, Bills, donc moi qui achète comptant,
Vous me conseillez d'attendre la baisse des prix. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. Vous attendez quoi en fait? Arrêtez d'attendre. Vous allez attendre. Alors, les prix vont baisser. Alors, admettons, cher Bills, que les prix baissent. À quel moment tu te décides d'acheter en fait? Est-ce qu'il y a un moment donné un indicateur qui dit attention, les prix vont remonter? On est au fond de la piscine, maintenant on est au fond, on va remonter. Non, ça n'existe pas. Donc, si toi tu estimes qu'il faut attendre, tu attends quoi en fait? Une baisse de 5%, 10%? Si tu attends, je me mets à ta place. Premièrement, acheter comptant, pour moi, c'est une bêtise. Ça, c'est le premier point. Tu as décidé d'attendre la baisse de prix. Ben, écoute, si tu vois une maison ou un bien à 500 000 euros, 1 million d'euros, et tu estimes que ça vaut 800 000, est-ce que tu vas... Pourquoi attendre que ça passe de 1 million à 800 000 si tu peux faire une offre à 800 000 aujourd'hui et peut-être risquer de l'avoir? Ça n'a pas de... Je ne vois pas l'intérêt. Fais des offres au prix que tu estimes être le bon. Devance la baisse. Hypothétique. Voilà, chat bills. Et puis acheter comptant, c'est pas. C'est... Aujourd'hui, au coût de l'argent, je ne comprends pas cette volonté. Mais je ne suis pas dans votre portefeuille, moi. Alors, Mouchois. Alors, je pense que tu as dû reformuler ta question. Attention, 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 attention. On veut vendre notre maison. Quel conseil vous nous donnez? Merci. Alors, Mouchois, c'est compliqué parce que je peux pas. Alors, évidemment, je peux te donner plein de conseils. Mais ça, c'est une question qui mérite de ma part que je te réponde de façon précise. Donc, Mouchois, envoie-moi un WhatsApp ou alors utilise le formulaire. Tu écris toutes les lignes, tu me décris où tu es, la maison, le nom, est-ce qu'elle est neuve, est-ce qu'il y a des défauts, etc. Mais si tu veux une réponse générique, il faut d'abord, je ne sais pas comment te donner des conseils. Range ta maison avant de faire des visites, refais des petits travaux d'amélioration sans forcément cacher les choses. Il y a plein de, je peux répondre à plein de trucs. Si tu as un jardin, entretiens ton jardin. S'il y a des chiens, mets-les à l'extérieur. S'il y a des enfants, fais en sorte que les gens dans la visite ne soient pas dérangés. C'est Mouchois, une question comme ça, j'y réponds avec plaisir. Et d'ailleurs, je pense qu'en fonction de la réponse que je vais t'apporter et de la question que tu vas me poser plus précisément, je ferai en sorte de faire une vidéo qui puisse intéresser pas mal de monde. Donc Mouchois, envoie-moi un WhatsApp, à la limite un SMS, parce que parfois vous n'avez pas de WhatsApp, et je m'engage à répondre. Au 06 73 69 28 21. Alors, Guy, alors, arrêté provisoire ou pas, faut-il prévenir l'administration? Alors ça, à mon avis, oui. Alors ça, c'est une question précise. C'est une question que l'on avait déjà eue, ça. Il faut toujours prévenir l'administration. Sinon, tu risques de te faire retoquer en cours de route si jamais on découvre que tu fais plus de location en loueur meublé non professionnel, puisque vraisemblablement tu vas continuer de déduire des frais. Et à qui je envoie un message tout fait qui est de m'envoyer un WhatsApp. Bonjour, comment accélérer l'exclusion de... C'est chez nous ça? Quittez pas, je reviens. Alors, me revoilà. Comment accélérer l'exclusion de locataires qui ne payent pas? Alors, malheureusement, en France, il n'y a pas de solution miracle pour ça. Il faut lancer une procédure et ça dure 2 ans. Donc, il faut faire un constat d'huissier. Êtes-vous chez vous? J'aurais aimé écouter les instruments. Eh bien, vous êtes là. Voilà. Donc, j'ai ma voisine qui écoute les instruments chez moi. J'espère que ma voix ne couvre pas. Tout à l'heure, vous entendez plus fort que ça. Donc, c'est parce que c'est moi qui jouais, parce que je touche. Ah, c'est possible.
cet après-midi, vous m'entendiez plus? Juste après. Je n'ai pas fait attention, en fait. Bon, d'accord, ok. Mais ce matin, c'était plus fort. Oui. D'accord. Ah bah oui, non, mais je ne suis pas complètement fou. Non, il n'y a pas de... Je vais vous raconter après l'anecdote. Non, parce que parfois, on parle de voisinage. C'est des lives où on parle que d'immobilier. D'accord. Donc, il y a des questions-réponses. Donc, ouais. Voilà. En tous les cas, merci. Comme ça, moi, je vais l'écrire. Et je serai là. Merci à vous. Et là, c'est le vous entendez aussi? J'ai pas essayé. Allez-y. Je vais vous raconter après ce qui se passe. Ça va vous faire rigoler. Alors, l'exclusion des locataires qui ne payent pas. C'est moi qui vous dérange. D'accord. C'est 2 ans de procédure. Et surtout, ne pas intervenir soi-même. Il faut malheureusement attendre et lancer au plus vite une procédure. En France, on protège les mauvais locataires, entre guillemets, tout en sachant que malheureusement, c'est l'ensemble de la... Après, tu peux m'envoyer un message en WhatsApp et je partagerai quelques expériences avec toi. Au 06 73 69 28 21. Alors, la petite anecdote, c'est que j'ai une voisine qui vient de s'installer et qui a fait des travaux d'isolation pour pouvoir jouer, puisqu'elle est concertiste professionnelle. Et les travaux ont été mal faits. Donc, ce matin, j'ai piqué une crise, puisque d'un seul coup, je me suis cru dans une caisse de résonance. Et les travaux ont été mal faits, donc elle vient voir si elle gêne ou pas, et en fonction des instruments. Voilà, donc on avait abordé le sujet du bruit dans les copropriétés. Voilà, en cas d'arrêt provisoire de la location au vu de l'administration, les conseillers de la résidence secondaire. Ah, ben oui, donc Guy Billy, effectivement. Alors, Blizz, ne m'engueulez pas. Non, je ne t'engueule pas. Super, merci beaucoup pour la raison. Achat comptant, qu'a raison. Ah, d'accord. Alors, Blizz, je ne maîtrise pas ces considérations-là. Donc, j'apprends quelque chose. Donc, voilà. N'attends pas. C'était ça ta question de départ. N'attends pas. La baisse, hypothétique encore une fois, si tu estimes que ça va baisser dans 10% l'année prochaine, eh ben fais une offre aujourd'hui à moins 10. Le seul risque que tu prends, c'est qu'elle soit acceptée. Et croisant l'expérience d'un mec qui a plus de cheveux, puisque j'ai quand même dégagé 3 personnes qui se foutaient de ma gueule en pensant que ça n'avait pas repoussé, qui machin. Bon, écoutez, ça amuse, il faut bien amuser les petits-enfants. Je pensais que TikTok était interdit aux petits gamins de 5-6 ans. Et j'ai beaucoup d'humour avec les enfants. Alors, Léo Castelli, bonjour. Bonjour Léo. Oui, c'est sûr. Merci pour votre réponse. Je vous adore. Écoute, je te retourne le compliment. C'est très sympa. Si vous voulez dire du bien, pas du mal, s'il vous plaît, sur moi, vous pouvez mettre des avis Google. Google, Philippe Jean-Louis, Immobilier Paris 16. Et vous pouvez parler des expériences que l'on a ensemble sur nos échanges. Alors là, il y a plein de questions qui viennent d'arriver d'un seul coup. Alors attendez, je remonte. Oui, c'est vrai, je vous adore. C'est sympa, ça fait toujours bien de lire un message comme ça. Alors, yo, bonjour, comment accélérer la procédure? Alors, j'ai déjà répondu, malheureusement, il n'y a pas de baguette magique. Il faut très vite faire intervenir un huissier si ce n'est déjà fait pour constater l'état de fait des locataires. C'est tout l'intérêt, alors ça je vais prêcher pour mon ancienne paroisse, c'est tout l'intérêt. Alors c'est un peu, c'est pas sympa ce que je dis puisque a priori ce n'est pas ton cas. Et donc un conseil ne sert à rien si tu n'étais pas dans ce cas-là. Mais je vous conseille vraiment de faire gérer vos biens et d'accepter de payer une garantie loyer impayé. C'est dans ces cas-là qu'on se rend compte. Pour moi la garantie loyer impayé, quand j'avais un propriétaire, je dis quand j'avais, puisque j'ai vendu mon cabinet de gestion, il n'est pas impossible que j'en reprenne un parce que ça me titille. La garantie loyer impayé, c'est comme une ceinture de sécurité dans votre voiture. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous la mettez que vous allez avoir un accident. Mais le jour où vous allez avoir un accident, vous serez content de l'avoir. Dans la voiture, elle est, c'est pas une option, elle est obligatoire. Dans la gestion ou dans la gestion immobilière de biens, c'est une option. Il ne faut pas que ce soit une option. Pour les prochaines fois, vraiment, souscrivez une garantie loyer impayé. Alors, Jeff, ça c'était pour Yo.
Jeff, bonjour, c'est pas le moment d'acheter, il faut attendre que l'immobilier se casse la figure. Alors, Jeff, tu arrives peut-être après ma réponse à Bills, c'est pas le moment d'acheter. Alors, je te propose un jeu, Jeff. Tu vises un bien qui aujourd'hui est présenté, je donne des chiffres qui sont cohérents par rapport au marché dans lequel je travaille, à 1 million d'euros. D'accord? Et tu estimes que ça va baisser et que vraisemblablement ça va perdre 10% d'ici la fin de l'année et qu'on va passer à 900 000. Qu'est-ce qui t'empêche, Jeff, de faire une offre aujourd'hui sans attendre la fin de l'année à 900 000 euros? Je ne comprends pas. Encore une fois, je vous assure, je ne comprends pas. Vous estimez que ça va perdre 10%, ben faites une offre à moins 10. Et ça vous permettra d'acheter aujourd'hui à moins 10, peut-être avec un taux qui sera de toute façon inférieur à celui de la fin de l'année. Ça, en revanche, c'est une certitude. Ça, c'est ma réponse pour Jeff. Alors, user 48 souhaite 12 9 6 3 0, on dirait un RIB. Les proprios louent des studios à 700 euros par mois. Alors, voilà. Alors ça, user, c'est bien, mais les proprios louent des studios. Mais un studio, cher user, ça peut faire 10 mètres, ça peut faire 9 mètres. À partir du moment où ça fait 21 mètres cubes, c'est louable. Comme ça peut faire 45 mètres carrés. Moi, j'ai loué un studio il y a 35 ans. Il faisait 45 mètres. Alors, quel est le problème? Soyez précis, l'immobilier, c'est un truc qui est passionnant. Il n'y a pas de réponse toute faite et c'est très souvent du sur-mesure. Moi, je fais pour mes clients du sur-mesure. Si vous voulez du prêt-à-porter, ben, ce n'est pas chez moi en fait. On ne peut pas édicter un truc comme ça, les proprios, les salauds de proprios. Non, alors tu ne l'as pas écrit, hein, je force le trait. Mais soyez précis. C'est une remarque qui n'amène pas grand-chose en fait. Ça mène rien d'ailleurs. Matt SVG, c'est bête de ne pas profiter des taux sur les emprunts qui sont assez avantageux. Je suis d'accord avec Matt SVG. Alors, vivement la hausse des taux à 10 ou 15%, user. Bon, ok. Bon, vous savez quoi? Il m'a fatigué, lui. Allez, hop. Comment on fait? On fait comme ça. Comme ça et comme ça. Allez hop, on va arrêter de perdre du temps. Le Fanfaron, tu connais le marché immobilier à Nice? Non, malheureusement, je ne connais pas le marché immobilier à Nice. J'ai des copains qui y habitent, mais je n'ai pas la prétention de connaître le marché à Nice. Si, mais j'ai des confrères sur place que je peux te conseiller. Max, quels sont les points les plus importants à trouver avant d'acquérir un bien pour un investissement? La règle des 3 E, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Je pense que c'est toi qui me posait la question tout à l'heure entre un bon bien dans un quartier pourri ou un bien pourri dans un bon quartier. Les points les plus importants à trouver ou les plus importants quand tu vas chercher le montant des charges, l'avis de la copro, tu regardes les règlements non pas les règlements de copro. Tu regardes les assemblées générales. Tu prends les 3 derniers comptes rendus des assemblées générales et ça va donner l'avis de l'appartement, de la copropriété. Donc ça te donne une idée s'il y a des problèmes dans la copro ou pas. Les charges, évidemment. Et puis, évidemment, aujourd'hui, il faut bien analyser ton diagnostic de performance énergétique. AK47, comment faire un crédit de 4 000 euros quand la banque n'accepte pas une autre solution? Comment faire un crédit de 4 000 euros quand la banque n'accepte pas une autre solution? On est loin de l'immobilier, mon cher AK47. Je pense que ce n'est pas une question qui s'adresse à moi, ça. Ou alors, j'ai pas bien compris, je t'invite à m'expliquer quel est le lien avec l'immobilier. Yo, bonjour, comment accélérer la procédure? J'ai déjà répondu. Ok. Alors, hop. Allez, on va redégager. Hop,
Je fais un petit peu le ménage, hein, m'en veuillez pas. Il y a des tartuffes. C'est un joli mot, ça. Des tartuffes, tiens. Le fanfaron. Alors, à partir de combien de pourcents en dessous du prix peut-on considérer qu'une offre est agressive? 20, 15, 20%. 15%, c'est très agressif. 15, 20%. Après, il faut vraiment la. Comment dire? Il faut vraiment la défendre et argumenter votre proposition. On peut accepter beaucoup de choses, il faut juste que ce soit argumenté. Moi, j'ai parfois des gens qui ont fait des visites avec des propriétaires qui étaient présents et c'est insupportable de la part de certaines personnes de dire votre appartement, il est vraiment merdique. Moi, j'estime qu'à ce prix-là, ça vaut pas. Moi, j'estime que. Alors, si vous commencez comme ça et vous mettez à dos le vendeur, il en fera une question de principe. Et il ne vous vendra pas quel que soit le prix. Donc, agressif, avec parcimonie et une belle argumentation, c'est 15%, c'est très agressif déjà. Zaque, bonjour, comment contourner la TVA à 5,5 pour une location? Alors ici, on fait pas de. Je ne donne pas de conseils pour contourner quoi que ce soit. Hein. Bonjour, un F3 sans. Un F3. Alors F3, c'est en province. Un 3 pièces, 160 000 euros dans le 92, c'est cher. Ça, c'est Haut-Prince 92. C'est impossible de répondre à une question pareille. Je peux pas te répondre. 92, c'est vaste. Et chaque marché va avoir sa propre règle. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, malheureusement. User 87, combien de temps que tu fais de l'immobilier? Eh bien, bonjour d'abord. Ça fait 24 ans aujourd'hui. 24 ans. Alors, user, déjà 30% du SMIC, c'est du vol. Je ne sais même pas de quoi on parle. Moa, si on fait les travaux pour améliorer la note DPE de l'appart, sommes-nous assurés d'avoir un résultat? Alors, oui. Alors, il y a une vidéo, je t'invite à rejoindre, à retrouver. Que j'ai faite avec Franck Sadoun. On se connaît depuis, je sais pas, 15-20 ans. 15 ans, je crois. On a fait une vidéo que là-dessus. Il va lancer un nouveau service pour lui. Hein. Il fait ton diagnostic de performance énergétique. S'il ressort une lettre, une mauvaise lettre, il va te faire une proposition. Non pas un audit, il ne veut pas appeler ça un audit, il va te donner un cahier des charges à suivre strictement pour t'expliquer exactement quelle nature de travaux, quels matériaux, etc., 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 il faut faire pour obtenir, pour passer de G à, idéalement, D. Et lui, il s'engage sur les résultats. Donc, à partir du moment où tu suis le cahier des charges, tu seras dans les clous puisqu'il repasse pour refaire le diagnostic de performance énergétique après. Voilà. Donc si tu fais les travaux en fonction d'un cahier des charges ultra précis, il faut vraiment les faire à la lettre, tu peux évidemment être sûr de ton résultat. Sauf si d'ici là, parce qu'on n'est pas à l'abri, que l'État rechange encore les normes et les rende encore plus dures. Mais en l'état des choses aujourd'hui, la réponse est oui. Alors, j'ai déjà commencé la démarche. Yo, d'accord. Ça dépend du lieu, du mètre carré, c'est pas forcément dans la poche. Ouais, j'essaie de trouver des combines pour accélérer. Il n'y a pas de. Tu peux regarder un film qui s'appelle De battre, mon cœur s'est arrêté. C'est l'histoire d'un marchand de biens qui a justement un problème de squatteur. Je fais pas une grande différence entre un squatteur et un locataire de mauvaise foi qui a arrêté de payer son loyer et qui refuse de partir. Voilà. C'est peut-être dur, mais il n'y a pas une grande différence puisque dans les faits, on met des propriétaires en difficulté. Puisqu'ils ont souvent plusieurs crédits et le loyer permet de rembourser un crédit. Le fanfaron, à partir de quel pourcentage en dessous du prix de vente? Alors ça, j'ai déjà répondu, le fanfaron. Le métier d'agent immobilier attire-t-il les femmes? Oui. Alors moi, j'ai eu dans ma propre expérience,
J'avais une équipe de 4 personnes, et bien de 5 personnes parfois, et bien elle était constituée à 75% de femmes. Je ne peux pas te dire pourquoi. Donc c'est un métier qui attire les femmes. En espérant être remboursé. Ouais, ben oui, bien sûr. Être remboursé mes 2 années. Alors ça, Yo, malheureusement, les locataires sont parfois condamnés à rembourser, mais ils remboursent rien du tout, puisque en général, ils ont toujours les ficelles pour être insolvables. Le fanfaron, j'ai répondu. Je ne t'en veux pas parce que je ne réponds pas assez vite. Hop, 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 hop. Alors Annie qui me pose la question, comment ça va? Je lui dis Annie, je vais bien, merci. Alors je prends un petit peu de temps. 18h déjà? Ça fait plus d'une heure et demie qu'on est ensemble, c'est un truc de fou. Alors attendez, je vais. Allez, on se laisse 10 minutes encore, et dans 10 minutes, je coupe pour retourner à une vie normale. Guy Billy, merci pour l'échange de ton savoir. C'est moi qui te remercie. Alors, j'ai déjà répondu à ça. L'offre agressive, à partir de 15%, franchement, c'est très agressif. Mais justifiez à chaque fois et soyez courtois. On n'attend plus, on fait comment pour acheter? Ah, c'est... Moi, je veux bien répondre à toutes les questions. Je veux dire, j'ai aucun tabou. Hein. Sur l'immobilier, vous pouvez y aller. Je stresse, j'espère avoir mon BTS profession immobilière. Eh bien, je te le souhaite aussi. Ça, c'est SGLD. Très, très bien. Moi, j'ai eu pas mal de gens en formation qui faisaient des BTS en alternance et qui s'en sortaient très bien après. Très bon travail, excellent travail. Merci, TikTok. N'oublie pas de faire une pause. Promis, dans 10 minutes, j'arrête. Miwok, bonjour. Vous conseillez de commencer par quoi dans l'immobilier? Alors, ça veut dire quoi ça? Pour investir, Miwok? Alors, on va dire que c'est oui, pour gagner du temps. Pour commencer par quoi dans l'immobilier? Non, ça veut rien dire en fait. Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire rejoindre la profession immobilière ou investir dans l'immobilier? Si c'est investir, ben, commence par quelque chose qui soit pas très loin de chez toi, que tu maîtrises et avec un bon environnement. Et si c'est pour rejoindre la profession d'immobilier, eh bien, tout va dépendre de ton âge, de tes attentes, etc. Max, quels sont les coûts cachés lors d'un achat d'un bien immobilier? Alors, les coûts cachés. Alors, les trucs les plus bêtes que j'ai vus, c'est ne pas vérifier que la cave était, par exemple, libre. Donc, le propriétaire a acheté. Acheté et découvrait. Alors, il découvrait pas parce qu'en général, moi, je fais toujours le tour. Avant. Donc, j'avais gentiment vu que la cave était totalement encombrée et on a retenu avec le propriétaire, le notaire, pardon, a retenu une certaine somme qui forçait les vendeurs à libérer la cave. C'est-à-dire qu'on a retenu, je ne sais plus, 5 000, 10 000 euros peut-être, qui étaient bloqués tant que la cave n'était pas libérée. Ça peut être des coûts cachés. Parce que si ce n'est pas le propriétaire qui le fait, ça va être vous et il faut faire venir quelqu'un pour débarrasser. Des coûts cachés, des charges qui ont été mal calculées, ça peut être un coût caché, je dirais, ou qui n'a pas été donné, on peut tout imaginer. Après, on va rentrer dans la notion de dol, c'est-à-dire qu'imaginons que quelqu'un ait repeint exprès un mur qui est imbibé d'eau. Mais ça, c'est des coûts cachés quand on achète un appartement avec un professionnel, c'est dur hein. Parce que la norme, la norme, le dol arrive très très vite, la notion de dol arrive très très vite, donc c'est rare qu'il y ait des coûts cachés. On peut avoir une augmentation des charges, mais bon, j'appellerai pas ça, cher Max, un coût caché. Annie, j'ai eu un premier rendez-vous téléphonique avec mon conseiller pour un crédit immo. Elle m'a dit 3,75. C'est très bien. J'imagine que c'est évidemment hors assurance, mais c'est très bien. On est tout à fait dans les normes de ce dont on voit aujourd'hui. Max, comment se démarquer en tant qu'agent immobilier? Eh bien déjà, Max, pour se démarquer, sois toi-même, sois honnête, respecte tes propriétaires, respecte tes acquéreurs, quel que soit le budget. Voilà. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ton travail finira par payer. Comment calculer le prix d'une location saisonnière?
Alors c'est bien parce que Max, il joue le jeu. Il pose des questions à 360, à 360 degrés. Comment calculer le prix d'une location saisonnière? Ben moi, j'irai sur Internet tout simplement. J'irai regarder ce qui se fait, ce qui se pratique. Évidemment, si je fais une location saisonnière, j'ai l'autorisation de la mairie de l'endroit où je vais faire cette activité de loueur meublé professionnel. Et je vais regarder en fonction de ce qu'il y a sur le marché. Donc, je fais une analyse comparative du marché. Comment choisir? Alors, REC 3800. Comment choisir les artisans après? Après quoi? Hop, 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 hop. Dans 10 minutes, on arrête, hein. 7 minutes, pardon. Comment choisir les artisans après? Après. Bonjour à. Ah, ben, il y a Wouldi. Bonjour, Wouldi. Ben Wouldi, je crois qu'il doit déjà être modérateur, lui. Eh oui, il est déjà modérateur. J'imagine que c'est après ton acquisition. Ben, toujours pareil, il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Si vous avez quelqu'un qui a eu une première expérience. Alors, c'est pas fiable à 100%. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. C'est pas pour vous endormir, mais c'est pour partager encore un retour d'expérience. J'ai eu dans mon entourage une entreprise avec qui on a travaillé pendant 15 ans, main dans la main, avec une super architecte qui est installée en Bretagne, à Rennes, et qui vient à Paris régulièrement. Eh bien, pendant 15 ans, il n'y a eu jamais eu aucun problème avec l'entrepreneur. Et du jour au lendemain, il a pété les plombs. Voilà. Donc, c'est pas une garantie, ça reste de l'humain. Un artisan, c'est un humain. Et tout peut bien se passer, et du jour au lendemain, péter un plomb. J'ai une cliente à qui j'ai vendu un appartement dans le 17e, qui avait un entrepreneur qu'elle suivait, je crois, depuis 15-20 ans également. Elle a des commerces. Il avait fait ses trois commerces. Et il a abandonné le chantier en plein milieu de la semaine. Et elle a fini avec une cuisine qui n'était pas terminée. Voilà, c'est quand même particulier. Mais ça peut arriver. On est dans une relation humaine. Alors, comment savoir à combien louer? J'ai déjà répondu, cher Max. ZZGG, tu penses qu'on est aisé quand on touche 10 000 euros de loyer par mois? Quelle drôle de question. Tu penses qu'on est aisé quand on touche 10 000 euros de loyer par mois? Si c'est une vraie question, oui, moi je pense qu'on est aisé. Enfin, maintenant, si tu as 10 000 euros par mois et tu as 15 000 euros de remboursement de crédit, t'es pas aisé, t'es surendetté. Les musulmans seront bientôt majoritaires en France. Oh. Merci, Wouldi. Wouldi, regarde ce qui se passe autour de toi. Oui, ça, évidemment. Merci, Wouldi. J'ai un premier appel téléphonique avec conseiller bancaire pour le prêt. Ouais, ça, c'était bien. Ah, ben oui, ben voilà. Alors, ça, c'est le retour d'expérience. Ça, c'est quand même pas mal, ça. Ça, c'est top. Eh bien, le résultat, 375. Bravo. Pourquoi les frais notaires sont-ils aussi élevés? Max, ça, c'est ça. Alors, dans les frais de notaire, j'avais fait une vidéo qui expliquait comment baisser les frais de notaire avec une liste de mobilier. Alors, sachez que lorsque vous faites une liste de mobilier, ce que l'on appelle vulgairement les frais de notaire, ne viennent pas frapper le mobilier. Donc, imaginons que vous ayez un appartement qui vaut 500 000 euros, que vous achetiez un appartement à 500 000 euros, qu'il y ait une liste de mobilier de 50 000 euros, par exemple, les frais de notaire viendraient frapper 450 000 euros et non pas les 50 000 euros. C'est toujours ça de prix. Pourquoi ils sont aussi élevés? Pourquoi? Parce que c'est une taxe. Il y a principalement dans ce que l'on appelle les frais de notaire, vous avez des frais d'enregistrement. Et le notaire, lorsqu'il va prendre 6%, eh bien, je ne vais pas pleurer, mais il y a 1% pour le notaire et 5% pour l'État. Voilà. Donc, tout simplement parce qu'on est en France et on aime bien les taxes. Sans parler des frais de succession. Enfin bon, c'est un autre problème. Woody qui répond à Annie, ça tourne autour de ça, au bois d'un courtier. Ouais, il a raison. Il a raison. Faut toujours un courtier. Pop. Jean Durand, c'est quoi le DOL? Ah, c'est quoi le DOL? Le DOL, c'est une sorte de tromperie, c'est la notion de DOL.
Imaginez que je vende l'appartement qui est ici, qu'il y ait un trou dans le plancher, et que je mette un tapis, une planche, une fine planche de bois, et que je recouvre cette planche de bois avec un tapis. Et ici, vous voyez pas, il y a un grand tapis au sol. Et vous faites la visite, vous marchez sur le tapis, vous marchez, du coup, vous ne passez pas à travers le plancher. Et le jour où on va chez le notaire, vous faites la visite, j'ai laissé le tapis, et puis je vous laisse le tapis, il est gratuit. Puis vous commencez les travaux, puis vous déplacez le tapis, et finalement vous vous rendez compte que sous le tapis, il y a une planche de bois, et sous la planche de bois, il y a un trou. Donc c'est une manœuvre volontaire de ma part d'avoir voulu cacher un défaut, et on appelle ça un dol. C'est dans l'optique de vous tromper. Voilà, vous n'auriez peut-être pas acheté à ce prix-là si vous aviez découvert qu'il y avait un trou. Voilà, c'est ça le dol. Et la notion de dol, elle suit, si je ne dis pas de bêtises, 5 ans après la vente. À bon entendeur, salut. Alors, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Hop, 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 hop. Alors, attendez. Alors, on a... Ah! Alors, Woody, tu peux mettre en sourdine, mais moi, je les dégage direct. Hein. Je perds plus de temps, en fait. Il y a vraiment des gens qui n'ont que ça à faire. Alors, ça dépend de ce que tu recherches. Toc, toc. Est-il obligatoire d'avoir une fenêtre dans une chambre? Mais Max, c'est une blague. Alors, il n'y a pas de questions idiotes, ce ne sont que les réponses qui sont idiotes. Donc, ma réflexion est idiote. Donc, je te demande pardon, Max. Oui, il y a ce que l'on appelle en France les normes de décence. Donc, dans une chambre, il doit y avoir une fenêtre. Fenêtre, vasis das, il doit y avoir un accès qui laisse la lumière et l'air passer. Et la fenêtre ne doit pas faire ça, hein. C'est pas un trou avec une plaque de verre. Hein. Donc c'est une vraie fenêtre. Voilà. C'est ça. Je t'invite à aller regarder les normes de décence. Et toi, Max, réponds pour la location, oui. Oui, évidemment. Alors si c'est dans ta maison et que tu décides de faire dans ta cave une chambre avec. J'allais dire des bêtises. Si tu décides de vivre dans ta cave, voilà. Si c'est pour la location, évidemment, c'est obligatoire. Merci, Wouldi. Wouldi est plus sérieux que moi. Enfin, en même temps, il est plus frais. Moi, ça fait 1 heure et demie que je suis avec vous. Quels sont les inconvénients de l'investissement immobilier? Ben, comme dans tout investissement, tu peux avoir des déconvenues. Il y a un risque dans l'investissement immobilier. Par exemple, quelqu'un en parlait tout à l'heure, de tomber sur un locataire de mauvaise foi qui ne paye pas son loyer ou qui te rend un logement dégradé. Ça, c'est un risque inhérent à l'investissement. Quand faire le formulaire? Non mais c'est une blague, Max. Max, il faut que je lui fasse un live que pour lui. C'est quoi le P0I? Max, je vais pas pouvoir répondre. Hein. Je sais pas ce que c'est que le formulaire dont tu me parles. Mixen, que penses-tu de l'obligation fiscale de déclarer ses biens immobiliers? Voilà ma réponse. Que choisir entre le micro foncier et le régime réel? Max, il est déchaîné. Je ferai une vidéo que sur ce thème-là, d'ailleurs. Max, c'est une bonne idée. Je vais aller juste pour vous prendre le temps de vous dire au revoir et de vous dire à très vite. Il faudrait le reprendre. Mais je peux pas être partout, les mecs. Alors, il faudrait reprendre la main, c'est Tristoun. Mais c'est quoi ces questions? Ben oui, non, mais parce que c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Alors, la référence des lunettes, c'est marrant parce que c'est la deuxième fois qu'on pose la question. C'est des Easy Peasy. C'est français, ça vaut 35 balles. C'est des loupes, en fait. Ça me permet de lire. Il faut que je refasse faire des lunettes et ça me saoule. Tu penses quoi des financements in fine? Si on a les moyens de le faire, c'est une excellente chose. C'est aquacouac.
À quoi, quoi, quand, quelqu'un qui pose la question. Donc, les financements in fine, le crédit in fine, je trouve que c'est très très bien. Mais il faut avoir les moyens de le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas, acheter est-il moins cher que louer? Acheter est-il moins cher que louer? Mais enfin, Max, il me fait passer un examen, quoi. J'adore. Non mais Max, c'est pas possible. Max est un robot. Il a choisi le thème, il a pris l'intelligence artificielle et il s'est dit, je vais lui poser toutes les questions. Allez, je vous embrasse tous. Je file à la vraie vie. Pour quel motif? Hey, Chat GPT, on t'a Max Google ton ami, mais c'est exactement ça. Non mais Max, t'es curieux et t'as bien raison. D'ailleurs, dans les questions que tu poses, je vais en reprendre quelques-unes. Donc tu m'aides, hein. Alors, abonnez-vous, c'est important pour moi. Dites ce que vous pensez des lives sur les avis Google. Je suis très friand des avis Google. Alors je vous explique pourquoi. Parce que comme ceux qui me suivent, non, il n'est pas libre, mais il paraît même qu'il y en a qui l'ont vu voler. Max, je suis très friand des avis Google. Pourquoi? Parce que vous le savez ou pas, j'ai disparu de la circulation pendant quelques années. Et les avis Google vont me permettre de remonter dans le scoring des Google, voilà, des sites internet. Si vous le faites pas, vous avez bien raison, on s'en fout. Mais bon, il paraît qu'il faut que je vous le demande. C'est ce que m'a dit la personne que je paye pour faire les réseaux sociaux, dont je ne m'occupe pas, à part vous, parce que ça, j'adore. Les moyens de le faire. Alors, un crédit in fine, il faut avoir les moyens de placer énormément d'argent, c'est-à-dire si tu veux acheter quelque chose de 1 million d'euros, faut pratiquement mettre 800 000 euros sur un compte et attendre pendant 8 ans. Mais si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo aussi plus précise et plus rapide. Allez, dans une minute, je me déconnecte. YouTube, il y a pas mal de choses, hein. Il a raison, Matt, SVG. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et 18h20, ben alors écoutez, comme le français moyen, je vais aller faire mes courses. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et bonne soirée à tous. Merci Wouldy pour le coup de main. Très apprécié. Et une question, est-il utile d'acheter un bien si on ne l'ègue pas? C'est intéressant. Hein. Moi, j'aime bien toutes vos questions. Et n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, le prochain live, reposez-moi vos questions parce que je ne peux pas répondre à tout là ce soir. Sinon, ça m'est déjà arrivé. Je crois que le pire live, le pire, le plus long, c'était 3h30. Voilà. Donc, Laurence, je te dis bonne soirée, bonjour et au revoir. Max, le prochain live. Merde, il va s'abonner. Le prochain live, alors on est quel jour là? On est jeudi. Eh bien, le prochain live, c'est demain. C'est demain puisque c'est un petit peu les vacances. Donc demain je refais un live et a priori je me demande si la meilleure heure n'est pas forcément c'est peut-être plutôt 17h, 17h30 pour faire un live. Voilà. Ah Freddy Soul, Soul, 17h, 17h30, si ça te va, je le bosse. Eh bien, salut la Martinique. Écoute. Comment y est, Martinique? C'est nous-mêmes, nous-mêmes. Merci de m'avoir suivi pour les retardataires. Je vous taquine, mais en fait, on est pratiquement là depuis 2 heures. Donc, demain, je ferai peut-être un horaire différent. Nous, bien, eh ben, écoute, tant mieux. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et au prochain live. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité de mettre sur Google, sur les avis Google, Philippe Jean-Louis. Je suis preneur. Voilà. Ce sera votre façon de payer ce live grassement intéressant. Bonne soirée à tous. Je vous remercie. Et merci pour la bienveillance. Merci pour ceux qui ont filé un coup de main, comme d'hab. Et ben, je vous salue. Ciao. Vous avez vu? Salut. Et bonne soirée à tous. Merci pour les petits cœurs. Pop, 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 pop. Il y a encore des messages. Je me sauve. Merci beaucoup à vous tous et je vous kiffe. J'adore cette expression.